matinale Tocsin. 8h-10h, Clément Soudiakova. Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue sur votre matinale Tocsin Média. Et vous avez bien raison d'être ici ce matin, vous le savez. Et c'est moi, ce matin, Nicolas Vidal, qui anime cette matinale. Je suis très heureux parce que Clément Soudiakova, c'est du lundi au jeudi. Avec de quoi on parle ce matin, Kyriel, d'invité passionnant. Et parce que je vous aime bien, parce que je vous aime beaucoup, je vous ai préparé avec toute l'équipe de Tocsin que je remercie. Un gros programme bien épicé. Alors, on va commencer avec un jeune Corse qui habite à Bastia, Arnaud Seassari, un jeune habitant qui ne mâche pas ses mots dans plusieurs de ses vidéos, notamment sur la délinquance et l'identité corse. Une interview qui va déménager, vous allez voir, c'est assez intéressant. Après, nous serons en ligne avec quelqu'un que je pense que vous connaissez bien, David Van Helmerich. Vous savez, le pilote polytechnicien qui se balade dans le ciel français avec son avion et sa banderole, Macron d'institution. On va en parler à 8h25, il sera en duplex avec nous. Ensuite, nous recevrons, on va parler d'éducation sexuelle, entre guillemets, avec Christelle Comier, qui est la vice-présidente de l'association Les Mamans Louves, qui sera mon invitée pour vous parler effectivement de cette révolte qui gronde chez de nombreux parents sur cette éducation sexuelle. Et elle nous fera part vraiment, regardez, et restez en ligne, elle nous fera part de témoignages absolument effrayants de plusieurs parents et surtout de l'action de l'association Les Mamans Louves. À 9h, je recevrai quelqu'un peut-être que vous connaissez, Alain Falento, qui est entrepreneur et conseiller économique, qui nous dressera l'effrayante cartographie de l'effondrement de l'économie française. Et enfin, à 9h30, il faut absolument rester parce que c'est Charles Gave qui sera là avec nous, qui nous fait le plaisir de passer par nos studios dans un grand entretien. Vous le savez, c'est le fondateur de l'Institut des libertés économistes. Et il viendra avec décrypter avec sa verve et son franc parler, bien sûr, les petites douceurs très amères qui nous attendent, nous, Français, notamment concernant l'économie. Voilà, vous avez le programme. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager, liker massivement cette vidéo, ce live, de manière à ce que le maximum de gens, vos voisins, vos amis, puissent l'avoir aussi. Et nous, on va de suite parler un peu d'Édouard Philippe. Vous le savez, Édouard Philippe, il est partout, et l'ancien Premier ministre. Et avant de commencer ce court édito sur Édouard Philippe, je vais demander à mon cher Malo de nous envoyer le sonore d'Édouard Philippe. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse du vice. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on sait, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, un, on a un programme qui dit ça, et deux, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc on y va. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. Et oui, voilà, et ça passe. C'est Édouard Philippe. Alors, c'était en 2021, en mai 2021, dans une conférence, notamment à l'ESSEC, je crois. Et je pense qu'Édouard Philippe, là, il nous dit tout, concrètement, de ce cynisme de nos gouvernants à faire passer des réformes. Avant, vous le savez, c'était pendant l'été, la torpeur de l'été, à une époque, rappelez-vous, braves gens, à une époque où les gens pouvaient encore partir en vacances. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Et Édouard Philippe, en fait, cette interview, je voulais vous faire écouter ce qu'on appelle en radio le sonore, parce que je trouve que ça caractérise bien
tout le cynisme de cette classe politique. Et pourquoi je vous parle d'Edouard Philippe? Vous allez me dire pourquoi Nicolas, il nous parle ce matin d'Edouard Philippe? Parce qu'Edouard Philippe, le revoilà, ça y est, c'est reparti. Il nous fait la tournée des grands ducs, bien entendu, des grands médias. On nous parle bien sûr de la maladie hein, qui le touche aujourd'hui. Et puis, il a sorti un bouquin, Des lieux qui disent, qui viennent, c'est sorti le 13 septembre aux éditions Lattès. Et il est sur tous les médias. On est en train de pousser Edouard Philippe, bien entendu, à la présidentielle. Il nous a fait des déclarations. Je ne suis pas là pour faire le malin. Si vous avez écouté mon édito d'hier, vous l'avez entendu. Et Edouard Philippe, en fait, il est positionné par les grands médias mainstream comme potentiellement ce barrage à Marine Le Pen, puisque lui-même dit que Marine Le Pen pourrait arriver au pouvoir. Enfin, ça fait 30 ans qu'on entend la même chose. Et c'est assez intéressant. Manque de peau pour Edouard Philippe, qui est partout, qui vient de faire une OPA boursière, on a l'impression, sur Google, parce qu'il est partout sur Google, tapez Edouard Philippe, vous allez voir des pages sur lui, d'interviews, de sujets. Manque de peau pour lui. Le Monde nous apprend hier que l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre, Seine Métropole, a saisi la justice et dénonce notamment un contournement des règles de passation des marchés publics pour l'exploitation de la cité numérique du Havre. Voilà donc une plainte. Le PNF l'aurait confirmé au Monde, bien entendu. Et aussi, Marianne nous dit que le parti Horizon, ils font tous des petits partis, vous savez, pour toucher les subventions, d'Edouard Philippe compte mettre sur pied un organisme de formation pour ses élus locaux, mais l'agrément qui permettrait d'accéder à un remboursement sur fonds publics lui a été refusé pour l'instant. Donc ça part mal pour Edouard Philippe, bien entendu, lui qui est là, mais les médias le poussent et c'est assez grossier de pousser un candidat comme ça. Vous le savez, Emmanuel Macron, c'est à première vue son second mandat, peut-être il ne devrait pas pouvoir se représenter, et peut-être que nous aurons droit, chers amis, à une Poutine Medvedev où Edouard Philippe arrivera à sa place et revoilà Manu Premier, 5 ans après, en 2032, pour revenir casser ce qu'il reste à casser. Et voilà un peu, c'était ce matin ce petit coup de gueule, ce petit édito que je voulais partager avec vous. Et en tout cas, bonjour, merci d'être là, merci pour vos commentaires que je vois, bien entendu, la régie me les transmet. Merci, n'hésitez pas à liker massivement ce live, likez et abonnez-vous à la chaîne de Tocsin Média, bien sûr, pour faire monter les algorithmes et pour faire monter ce jeune média et cette grosse matinale qui ne demande qu'à grossir encore plus. Allez, maintenant, on va partir du côté de l'île de beauté, on va partir du côté de la Corse, parce que j'avais envie de recevoir, vous allez voir, Arnaud Cessahari. Alors peut-être comme ça vous dit rien, mais je vous invite très sincèrement à bien tendre l'oreille et à bien regarder ce que Arnaud Cessahari a à nous dire, notamment sur les émeutes, notamment sur ce qui se passe en Corse et sur la peur du peuple corse à ne pas voir ce qui est arrivé en Corse, ce qui se passe en France. Allez, c'est parti. C'est l'heure du sonneur. Allez, bonjour, nous sommes toujours sur la matinale de Tocsin Média et ce matin, j'avais envie de recevoir Arnaud Cessahari. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, ça va très bien, merci et toi ? Ben ça va, et merci en tout cas d'être venu ce matin à la matinale de Tocsin. Je suis très content parce qu'on a vu tes vidéos un peu partout, ces vidéos, toi tu es en Corse, tu habites à Bastia, et tu comment l'actualité, et surtout l'actualité en Corse, notamment ça a été suite aux émeutes de juillet sur le continent. Et en Corse, il y a eu effectivement des Corses qui sont allés rendre visite avec beaucoup, de façon très virile, à un individu qui avait poignardé lors d'une rixe. Et c'est la question que je voulais te poser parce que tu as fait des vidéos comme ça, notamment tu as parlé de la Corse comme terre d'accueil, mais qu'à un moment donné aussi, les gens qui venaient sur l'île, il fallait qu'ils se comportent normalement et en respect des gens qui y sont. Et cette vidéo, elle a cartonné. Hein, et d'ailleurs, les gens étaient assez favorables à ce que tu disais, Arnaud. Hein. Oui, complètement. Après, Nicolas, quand tu dis que les gens se comportent normalement, mais c'est la logique des choses de se comporter normalement. Si moi, demain, je pars dans n'importe quel pays, si je veux vivre ailleurs, je vais me comporter tel que le pays veut que je me comporte. Je trouve ça logique, c'est même pas normal, c'est juste de la logique. Les gens qui viennent s'installer en Corse, c'est une terre d'accueil, je le répète, mais doivent vivre selon la méthode corse, tout simplement. Oui, oui. Et c'est voilà. Vrai, ouais, ça t'a fait beaucoup réagir là-dessus, parce qu'on voit que la question que j'ai envie de te poser, on a reçu Nicolas Battisti de l'association Palatinou, et qui lui est de plus en plus dur, cette association de la défense de la culture corse, et on voit que de plus en plus, lui, il est inquiet que les phénomènes de quartier, ce qu'on dit sensible ici en France, à un moment donné, reviennent, sont en train aussi d'arriver sur le territoire corse. Ça, tu le crains, toi, ça, aujourd'hui ? Vraiment, tu le vois ? Alors, oui, c'est en train d'arriver aussi en Corse, mais
on ne laisse pas faire. C'est action, réaction. Dès qu'il se passe quelque chose comme ça, du côté des grandes villes, qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux, Ajaccio et Bastia, tout de suite, il y a une réaction derrière. Tu vois des gens qui se réunissent à 500, 1000, 2000, qui rentrent dans les cités, qui demandent aux, comment dire, aux investigateurs, enfin, non, pas aux investigateurs, aux ceux qui font, qui commettent comment dire, le délit, je dirais. Les délinquants, panateurs, bon, comme tu veux. Ouais. On demande de descendre pour régler les comptes, et là, il n'y a plus personne. Tous les volets sont fermés, et on ne voit plus personne dans la cité. Voilà, tout s'arrête. Donc, c'est action-réaction. Dès qu'il se passe quelque chose où les Corses se sentent concernés, tout de suite, instantanément, une solidarité naît et grandit. Et là, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable derrière. Tu imagines, tu te retrouves dans la cité, tu vois 1000 personnes en bas qui veulent découvrir et descendre. Tu te rends compte un peu ? Ouais. Tu te mets à la place des gens qui sont dans les appartements et qui voient tous ces gens en bas qui y attendent que quelqu'un sorte pour effectivement, c'était alors cette venue de Corse, notamment cette cité, c'était suite à l'agression ou menace de mort, je crois, de deux employés municipaux, hein, un matin très tôt, et de suite réaction populaire. Et il y avait beaucoup, il y avait des gens d'associations, il y avait des Corses aussi, des citoyens qui étaient là aussi. Il y avait pas mal de... J'ai vu sur les vidéos de France 3 Corse, je crois, notamment des personnes âgées qui étaient là aussi. Pas mal de personnes âgées, c'était très varié. Tout le monde est concerné, et je suis même agréablement surpris de voir que la jeunesse est très concernée. Moi, je me suis toujours dit, bon, les jeunes, autant ils se désintéressent, ils s'en foutent. Mais pas du tout. Tu as des jeunes entre 15 et 20 ans, mais ils sont plus concernés que toi ou moi. Je vois que la jeunesse prend la relève, et ça me fait super plaisir de voir ça, de voir cet engouement, de voir cette envie, cette force. On veut défendre la terre. La terre, si on pouvait la bouffer, on la boufferait. Mais bon, ça va me donner un petit peu mal au ventre. Mais de voir cette rage et de voir de voir les gens se dévouer comme ça à leur île, à leur terre, à leur sang, ça m'impressionne de jour en jour, vraiment. Est-ce que finalement, pour toi, le meilleur antidote à cette délinquance, parfois même à ce séparatisme sur certains territoires, sur certains quartiers, est-ce que le meilleur antidote pour toi, c'est peut-être l'identité ? L'identité corse qui est... Voilà. Et l'identité plus largement, hein, peut-être qu'en France aussi, il y aurait peut-être moins de problèmes, je ne sais pas. Alors, je dirais plutôt la solidarité. Oui. Parce que la délinquance, trafic de drogue ou même autre chose, ça dérange toutes les communautés. Ouais. Ça dérange toutes les communautés. Tu as des gens voilés, pas voilés, chemise, pas chemise, pour te donner des exemples d'habits. Hein. Ouais. Ça les fait chier, les trafics. Et la délinquance, ça leur casse les couilles, concrètement. Donc ça dérange, la délinquance dérange toutes les communautés. Pas seulement les gens comme toi et moi. Hein. Ouais. Donc c'est la solidarité. La solidarité, bordel. Il n'y a que ça qui peut faire, qui peut repousser le fléau de la délinquance, des incivilités. Pareil, mais en Corse, mais n'importe où. Il y a quelqu'un qui va se faire emmerder sans raison dans la rue, une femme, un homme, qui va se faire chahuter par plusieurs personnes. Les gens qui vont être autour, qui vont voir ça, je suis à 100%, vont intervenir. Une va intervenir. Une autre va intervenir, et une autre, et une autre. C'est fini, c'est terminé. Tu te prends le raz-de-marée dans la gueule. Mais ça, en ville, je le vois souvent en ville. Ça n'arrive jamais. Après, des histoires entre deux personnes, des bagarres, machin, ça peut arriver, bien évidemment. Mais des incivilités, comme on en voit sur le continent, mais ici, jamais. Jamais, jamais. Ce qu'on appelle des agressions gratuites ici. L'espèce d'euphémisme, là, ambiance, c'est pas des agressions gratuites, c'est des agressions de tout court. Hein. Agression gratuite. Là, j'ai vu un policier du côté de Rouen, je crois, qui s'est fait, qui s'est fait frapper, il n'était pas en service. Il y a des gens autour, il y a des mecs, ça filme, il n'y a personne qui l'aide. Tu as une racaille qui n'est pas plus épais qu'une baguette qui le frappe avec une autre personne, il n'y a personne qui l'aide. Il n'y a personne qui l'a aidé, ce pauvre policier. Alors, il se passe ça, je peux t'assurer que même si c'est un policier, tout le monde dit fuck la police, fuck la police. Mais quand il y a un problème, c'est qui que tu appelles ? C'est la police. Hein ? Si demain, il y a ta femme ou ta maman ou qui tu veux ou ton père qui se fait chahuter, tu vas appeler la police. Hein qui tu vas appeler. Hein. Donc, c'est ça que je dis, moi, c'est qu'on crache sur la police, mais le jour où on en a besoin,
Le premier numéro qu'on fait, c'est le 17. Hein. Ouais. Et les pouvoirs publics, comment ils ont réagi? Parce que c'était assez impressionnant, en revenant sur cette solidarité dont tu parles, cette cité, suite aux menaces de mort de deux employés de la ville. On a bien vu qu'il y avait ce rythme, mais on a lu aussi, parce que j'étais pas, mais j'ai lu et j'ai vu que quand même il y avait pas mal de forces de l'ordre, parce que les pouvoirs publics aujourd'hui craignent aussi cette façon, tu vois, de regroupement spontané d'une population solidaire qui va dire non, ça suffit, maintenant on arrête. Les pouvoirs publics sont quand même un peu embêtés, non, Arnaud? Complètement con. Surtout que la manifestation qu'il y a eu à Ajaccio a été pacifique. Oui. Rien passé derrière. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de mouche qui a volé. Il n'y a rien eu du tout. Je suis désolé. Si c'est pacifique en plus, si on fait entendre les choses sans violence, juste verbalement et pas physiquement, ben pourquoi pas? Je ne vois pas où est le problème. Au contraire, ça devrait être salué. Mais c'est ça le problème de ce pays. Il n'y a rien qui est récompensé. On ne récompense rien. Les actes qui sont bien, il n'y a aucune gratitude derrière. On ne fait que bastonner les gens, leur mettre des amendes et leur prendre de l'argent, mais on ne leur donne rien. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas juste prendre d'un côté et pas donner de l'autre. Ouais. Ce n'est pas possible. Parce que s'il y avait un état de droit digne de ce nom, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir ce rassemblement populaire. Si l'état de droit était respecté, que la police, à un moment donné, pouvait faire son travail, que la justice aussi passe derrière en sanctionnant durement les gens qui, manifestement, dans le cas échéant, menacent de mort des employés municipaux, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir cette manifestation. Il n'y a pas de manif derrière. L'État fait son travail, que la police fait son travail, enfin, qu'on les laisse faire, qu'on laisse faire leur travail et qu'on soutient tout ça, il n'y a pas de manif derrière. Il n'y a pas de manifestation. La police, elle va dans la cité concernée, attrape ce qu'il faut attraper, met ce qu'il faut mettre. Et les gens n'ont pas besoin de se salir les mains. Hein. Ouais. Bon, là, ils ne se sont pas salis les mains. Mais jamais ce qui aurait pu se passer. Imagine qu'il y aurait eu 3, 4 ou 5 ou 10 caïds qui seraient sortis. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est explosif. Ça peut être rapidement explosif et ingérable, ce genre de situation. Non. Ouais. Et la question qui nous brûle les lèvres à nous, qui habitons sur le continent, on se dit, c'est beaucoup revenu sur les réseaux sociaux et je suis sûr que ça ne t'aura pas échappé. Nous, on a vécu ces émeutes sur le continent pendant six jours et six nuits. Faut savoir une nouvelle fois que ce sont les narcos qui ont mis fin aux émeutes. Hein. Ce n'est pas malheureusement pas la police parce qu'elle n'avait pas les moyens de travailler. C'est les narcos qui ont remis de l'ordre, qui ont fait rentrer les délinquants. Merci à eux d'ailleurs. Hein. Et on se dit tous, on sait tous, on n'a pas vu ni à Bastia ni à Ajaccio, on n'a pas vu ces émeutes-là, on n'a pas entendu qu'il y avait eu des choses comme ça chez vous. Déjà, d'une part, comment toi tu as analysé ces émeutes sur le continent? Et comment, toi, tu peux nous expliquer qu'en Corse, il n'y a rien eu, finalement? Il n'y a pas eu de débordement nulle part? Ou peut-être que je ne les ai pas vus aussi, c'est possible. Il n'y a eu aucune émeute en Corse. Zéro. Rien du tout. Rien de rien. Comment j'ai analysé la situation? Moi, j'ai vu 95% des personnes qui ont commis, qui étaient dans les émeutes, du pauvre petit Naël, je vais te le dire, ils n'en avaient rien à foutre. Tout ce qu'ils voulaient, c'est se faire voir sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'était un alibi, le décès de Naël? Piller les commerces, essayer de voler, machin. Et du pauvre petit Naël, ils n'en avaient strictement rien à foutre. C'était juste le levier pour faire basculer le rocher et une excuse pour foutre la merde. Et en Corse, et je pense que tous les Corses, ont eu de la peine pour ce jeune. C'est dommage qu'il lui est arrivé, hein, à 16 ans en plus. Mais ils n'ont pas eu envie de casser des commerces, machin. Les gens, ils travaillent. Les voitures brûlées et compagnie, les gens, ils ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Il est hors de question. Parce qu'en Corse, il faut que tu saches une chose. On est 350 000 et on est, je pense, 349 000 personnes censées, avec la tête sur les épaules, des gamins jusqu'aux vieux. Voilà, on a un minimum, je crois, d'intelligence et on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et commettre des émeutes, comme il y a eu sur le continent, et faire chier des gens qui travaillent, c'est pas trop dans nos habitudes. Ouais, et comme tu le dis très justement, les gens qui ont eu les voitures brûlées, c'était les gens des quartiers. C'est des gens qui travaillent. Donc, finalement, ça... Va attaquer l'Élysée. Va attaquer les institutions qui représentent. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire chier des gens qui ont des voitures, qui ont des. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens.
Moi, demain, je n'ai rien demandé. Je suis au contraire. Je soutiens la cause de Naël et je me fais brûler ma bagnole. Avec les gens qui ne sont même pas assurés tout risque, qui sont assurés à un tiers ou je ne sais pas quoi. Autant, ils n'ont même pas été remboursés, les pauvres. Ah, c'est bon. Non, je suis désolé, ça n'a ni queue ni tête. Ce n'est pas normal. Oui, et toi, tu l'as vu comment finalement, on s'est rendu compte que, comment tu expliques encore, bon, tu l'expliques un peu, mais c'est marrant de voir comment aussi le peuple corse voit bien ce qui se passe sur le continent, et tu dis, on n'a juste pas envie que ça nous arrive ici, et qu'on se retrouve face à des problèmes qui peuvent, on l'a dit, qui peuvent devenir vite ingérables, parce que si l'État recule, l'État de droit recule, qu'est-ce qui se passe après? C'est la guérilla, c'est la régression après, si tout le monde se fait vengeance, tu vois? Ça, je suis d'accord. Se faire justice soi-même, ce n'est pas le but non plus, bien évidemment. Mais d'abord, en premier lieu, c'est à la police. La justice et la police de faire valoir ses droits. C'est fini l'époque du Far West. Hein. C'est bon, hein. C'est mort. Heureusement, c'est un progrès, hein, Arnaud. C'est un progrès. Hein. C'est un progrès. À l'époque, les gens disputaient, voilà, bon, on va dehors, on sort le pistolet, on se tire dessus. Hein. Ouais. Celui qui faisait le mieux avait gagné. Hein. Ouais. On en est là, Dieu merci. La société a un minimum évolué quand même. Hein. Ce n'est pas beaucoup non plus, mais un petit peu. Bon. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est à la police de faire son travail et ce n'est pas aux citoyens de faire justice eux-mêmes. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Allez, il nous reste encore 5 minutes. Merci Arnaud d'être avec nous ce matin sur Tocsin Média. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker cet entretien, liker la matinale, liker sur YouTube, partager un maximum. Vous le savez, on a besoin de vous parce que les algorithmes nous font des... Évidemment. Ça, rien, je dis ça comme ça. Hein. Oui, mais tu as bien fait. Je veux dire par là aussi, je voulais savoir un peu ton avis sur le gouvernement, sur Emmanuel Macron et ce gouvernement, parce que Gérald Darmanin, en termes de sécurité intérieure, on a parlé tout à l'heure, il nous avait déclaré, en juillet, qu'il y avait des Mathéo et des Kevin en garde à vue. Le rapport de la préfecture de police de Paris a noté que c'était bien différent, les prénoms étaient bien différents que ceux qui avaient été donnés par Gérald Darmanin, mais plus largement. Toi, tu portes quel regard sur Emmanuel Macron, sur la politique économique dont nous souffrons tous? Et ensuite, deuxième question, sur la politique par rapport à cette question de l'autonomie de la Corse. Il était venu, il vous avait dit « on va voir, on va en discuter ». Sur ces deux questions, Arnaud, toi, quel est ton sentiment? Alors, la première question sur Emmanuel Macron, je n'en pense pas grand-chose. J'ai vu comme il a été hué là au match All Black France. J'ai regardé le match. Quand il a pris le micro, tout le stade l'a hué. Donc là, malheureusement, ça n'a pas pu être caché. Hein. On n'a rien caché. C'était en direct. Donc d'ailleurs, je trouve qu'il a fait une énorme erreur. Et je savais qu'il allait être sifflé s'il prenait le micro. Moi, je pensais que c'était juste le monsieur de la fédération, là, je ne sais pas quoi, qui allait juste... Le président, Quand je l'ai vu se diriger vers le micro, j'ai dit « Là, mon gars, tu vas ramasser costaud ». C'est ce qui s'est passé. Il a été hué copieusement. Et il était même très mal à l'aise. Hein. Après, en ce qui concerne sa politique, ce gentil monsieur suit ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Ni plus ni moins. Voilà. Pour toi, finalement, il exécute les ordres. Un journaliste de CNews a dit que c'était l'hôtesse de l'air et de l'Union européenne, grosso modo. Pour toi, c'est un exécutant. Hein. Bien sûr. C'est un exécutant. Il y a encore des gens qui sont au-dessus. Soit tu suis le système, tu en profites et vas-y, Inch'Allah, soit tu es mort, hein. Tu dégages. Ouais. Et c'est quoi sa popularité en Corse, d'Emmanuel Macron? Bon, tu n'es pas l'Ipsos Corse, je le sais, mais en fonction des gens que tu rencontres, de la communauté que tu as, c'est quoi grosso modo les gens? En Corse, majoritairement, la plupart des Corses se sont déplacés aux urnes ont voté le RN pour Marine Le Pen. Donc, autant te dire qu'il n'a pas eu un avis favorable. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est le RN qui est passé en force sur la Corse. Et je tiens à préciser, parce que je parle avec beaucoup de monde, moi, beaucoup de communautés où j'aurais dit, non, mais attends, voter RN, là, c'est pas… Ils ont voté. Hein. Donc, il ne faut pas croire que le RN, c'est que toi et moi qui votons des Blancs. Hein. Il y a de toutes les communautés qui votent le RN. Hein. Ce matin, pareil, j'ai vu une vidéo d'une femme sur le continent qui disait « Moi, je vais mettre Marine Le Pen au pouvoir. Hein, » Elle était déterminée. Hein, voilà, Voilà. On la diabolise, Marine Le Pen. On la diabolise beaucoup, mais ne crois pas. Il n'y a pas que des Blancs comme toi et moi qui votons pour elle. Hein. Pour moi, je ne suis pas pour elle, je tiens à le préciser. Hein, quand même, Non, mais elle a un vrai vote populaire, Marine Le Pen. Tu as raison, elle a un vrai vote populaire. Et populaire, c'est aussi les quartiers, hein, bien sûr. Gens forment en Corse, majoritairement,
à l'élection de l'année dernière, c'est le RN qui est passé. Allez, trois minutes, Arnaud, et merci d'être là ce matin avec nous. Merci beaucoup avec ton franc-parler. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Toxic Media. Dernière question, trois minutes. Je sais que c'est court, mais c'est la radio et on est obligé de faire court. Mais sur l'autonomie, Darmanin, Macron se sont exprimés, l'autonomie de la Corse. Il devait revenir sur l'île pour en discuter. Il y a eu pas mal de, ça a pas mal bougé, hein. Il y a quelques mois, on a eu quand même des affrontements. Toi, c'est ton positionnement par rapport à ça. Il est lequel? J'ai l'impression que ça bouge pas trop. Ouais. J'ai l'impression que ça bouge pas trop. Toujours pareil, la politique, ouais. des paroles, hein, comme Dalida, paroles et paroles, mais malheureusement, il se passe pas grand chose derrière. Et j'ai l'impression que rien ne bouge. Rien ne bouge. Mais rien ne bouge à ce niveau-là. Voilà. L'autonomie de la Corse. Je trouve qu'elle se complique. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Non, vraiment. Je sais pas pourquoi. Ça, je ne peux pas te le dire. Ouais. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Mais ça, bon, on peut mettre qui on veut au pouvoir. RN, Macron, Mélenchon, qui tu veux. Je pense que ça traînera toujours autant et rien ne bougera. De toute façon, pour moi, on peut mettre qui on veut. C'est le même panier de crabes. Et voilà, pour moi, c'est tous les mêmes. Hein. Je te le dis direct comme je le pense. Hein. Voilà. Eh bien, tu es justement là. Tu as été invité pour dire comme tu le penses, cher Arnaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Toxin Média. Arnaud, c'est Assari. J'espère que je le prononce bien, Arnaud. C'est bon? Oui. Arnaud, c'est Assari. Oui, tu l'as bien prononcé. Voilà, formidable. Merci beaucoup. On te remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Et on gardera le contact, bien sûr, pour de nouvelles. S'il se passe des choses en Corse, tu viendras décrypter pour nous ce qui se passe avec plaisir. Merci pour ta venue. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker cette émission. C'était l'interview d'Arnaud Assari. Pour finir, Nicolas, si tu me permets, terminer, une dernière phrase. Comme le disait César, la politique, mes paroles n'engagent que ceux qui les croient. Exactement, ça sera la phrase du matin en tout cas. Allez, on enchaîne avec la suite de la matinale. Allez, bonne journée. Merci à vous. Bonjour, Leonardo, salut. A écrit, Clémence Oudiakova lance son média, une des journalistes les plus compétentes et intègres que j'ai pu rencontrer. Le journalisme libre est plus que jamais nécessaire. Le magistrat Charles Pratt. Naissance d'un nouveau média, Toxin, dans quelques jours avec Clémence Oudiakova, qui m'a si souvent interviewé sur les radios, où elle animait avec son talent et sa rigueur incomparable ses tranches horaires. A très bientôt, j'espère. Le sénateur Alain Houpert. La naissance d'un nouveau média est toujours une bonne nouvelle pour la démocratie. Fabien Bouglé, l'expert en énergie. Quand la situation va mal, il faut sonner le Toxin. Plein de succès pour le nouveau média Toxin lancé par Clémence Oudiakova. Évidemment, André Berkoff. Clémence Oudiakova a été une formidable collaboratrice de Berkoff dans tous ses états. Elle a créé Ligne Droite avec le succès que l'on sait. Aujourd'hui, elle sonne vigoureusement le Toxin et nous serons nombreux à l'écouter. La généticienne Alexandra Orion-Code. Félicitations, chère Clémence Oudiakova. Puisse le Toxin sonner l'alerte en Paris-Rougeron aussi, du cercle Aristote. Clémence Oudiakova et Valentin Schirmer lancent un nouveau média. Vous avez pu voir le professionnalisme de Clémence sur Sud Radio, celui de son équipe sur Radio Courtoisie. Maintenant, suivez-la sur Toxin. Didier Maisto, évidemment, je suis très heureux d'accompagner Clémence Oudiakova dans cette nouvelle aventure. Clémence était la meilleure journaliste de Sud Radio quand je présidais à sa destinée. Était absolue et d'une fidélité sans faille. Rendez-vous le 4 septembre. Christine Coton. Abonnez-vous les amis, toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche. L'avocat Régis de Castelnau, nouveau venu dans l'infosphère, vive le pluralisme. Philippe Murer, l'économiste. Bienvenue au média Le Toxin avec Clémence Oudiakova et toute son équipe de journalistes 100% indépendants. Un jour avant la loi de suppression de SOS Éducation, retrouvez l'excellente journaliste Clémence Oudiakova à la rentrée sur Le Toxin pour une matinale sans langue de bois, où il est possible de débattre de tous les sujets entre personnes respectueuses intellectuellement, honnêtes et pourtant pas nécessairement d'accord. Charles-Henri Gallois. Le Frexit. L'excellente Clémence Oudiakova lance un nouveau média, une belle initiative à soutenir. Sylvain Durin encore. Beaucoup de qualités à venir dans ce nouveau média. Soutenez ce projet, nous en avons besoin. Vous aussi soutenez Toxin. Rendez-vous sur toxin-media.fr/soutien. toxin-media.fr/soutien. Les médias sont le quatrième pouvoir, reprenez-le. Répondez à l'appel du Toxin avec Clémence Oudiakova. Le clairon. Voilà, chers
Chers amis, vous avez écouté l'interview d'Arnaud Cessari. J'imagine que vous avez adoré. N'hésitez pas. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos soutiens. N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager énormément, très massivement. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Tocsin. Et on va maintenant partir avec notre invité que j'ai eu envie d'avoir. Et je le remercie pour sa présence. David Van Emmerich. On va en discuter. David, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que David m'entend en régie? Je ne sais pas s'il m'entend. En tout cas, on va le recevoir là. Il est polytechnicien. Aviateur, vous savez, David Van Emmerich, c'est cet aviateur qui balade une balle ronde, Macron destitution depuis plusieurs jours maintenant et qui a un vrai projet pour essayer d'influer sur la destitution d'Emmanuel Macron avec l'article 68. On va l'en voir. Est-ce qu'on a récupéré David? Non, apparemment pas encore. La technique s'en occupe. Et je voulais l'avoir ce matin parce que c'est vrai que son initiative au début était un peu confidentielle. Et puis là, ça commence à prendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'ampleur. David, est-ce que vous m'entendez? Alors, on a un petit problème de son, mais c'est normal, hein, c'est du direct. Bien entendu, d'ailleurs, il faut nous faire un don. N'hésitez pas à nous faire des dons, justement, pour qu'on puisse avoir encore plus de moyens techniques, de manière à ce qu'on puisse continuer à faire cette belle matinale. Alors, je vais essayer encore une fois. David, vous m'entendez ou pas? Toujours pas de faux. En tout cas, voilà. Merci en tout cas. Alors, la matinale Tocsin Média, n'hésitez pas à nous aider, les amis, et n'hésitez pas non plus à énormément partager ce live. C'est super important, vous le savez, puisque vous êtes ici sur YouTube, vous avez un petit clic à faire sur le petit pouce en bas. C'est important parce que si vous cliquez sur le pouce en bas, bien entendu, ça permet de faire monter la vidéo dans les algorithmes, ça permet d'être plus visible. Et quand les gens vont sur YouTube en ce moment même, vos voisins, vos amis, vos parents, votre famille, ils vont voir le live directement lancé, et c'est quand même beaucoup mieux de manière à nous soutenir. Et vous savez, nous avons une cagnotte Tipeee en ce moment qui nous permet bien entendu de continuer à faire vivre Tocsin Média. David, est-ce que vous m'entendez? David, je crois qu'on n'a pas, alors la régie est en train de s'occuper de ce problème technique. Alors je vais vous faire pour ceux qui sont là, je vous remercie, hein, vous êtes déjà près de plus de 700 en ligne et c'est très très bien. N'hésitez pas à partager, si tout le monde partage, vous allez voir, on va vite monter au-dessus des 1000, 1200. N'hésitez pas pour les likes aussi, on est à 394, il faut faire monter encore plus les likes. Merci beaucoup pour ceux qui me... Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi, j'ai vos commentaires sous les yeux. Bonjour à tous, hein, merci encore d'être là. Est-ce que notre invité est là, David Van Emmerich? David, est-ce que vous m'entendez ou pas? Et en régie, est-ce que vous pouvez me faire un retour pour savoir si David est avec nous? Je le vois, mais je ne l'entends pas, en fait. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors après, quand on aura récupéré la liaison avec David, on va demander aussi à Christelle Comet des Mamans Louves quel est le positionnement des Mamans Louves par rapport à cette question qui est extrêmement explosive. Et on va lui demander aussi comment travailler là-dessus. Et bien entendu, dans leur boulot tous les jours, c'est comment, à un moment donné, faire réagir les parents par rapport à ça. Voilà, donc ça va être intéressant. Alain Falento, entrepreneur et conseiller économique, auteur, qui est auteur également sur un très bon livre sur l'Union, sorti de l'Union européenne. Il nous parlera en fait, une cartographie, Alain Falento, de l'économie française et surtout du désastre de l'économie française. Et ensuite, on recevra, vous le savez, on va recevoir Charles Gave, le président de l'Institut des libertés et économistes, qui sera dans les studios à 9h20 pour nous parler véritablement de l'inflation, de la nourriture, de l'énergie, des loyers, qui va nous parler aussi de l'euro, qui va nous parler peut-être aussi du retour du cours, on vous le passera tout à l'heure, vous verrez. On vous fera aussi un sonore qu'on est allé piocher chez RMC, notamment de notre porte, et quelqu'un qui gagne relativement bien sa vie, et il a, pendant 2 minutes, je pense qu'il a très bien défini ce que vivent des millions de Français aujourd'hui. Et d'ailleurs, au passage, on voit bien qu'il y a véritablement un mouvement populaire et une exaspération populaire qui est là, qui ne s'est pas encore concrétisée comme ça a été le cas depuis les Gilets jaunes, vous le savez. Mais on voit bien que sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, puisque vous savez que Facebook a été de plus en plus verrouillé avec les Gilets jaunes, on a eu de moins en moins de vidéos, eh bien, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait, un véritable problème par rapport à ça. Cet auditeur a appelé RMC et en 1 minute 20, on va dire, il a, à mon sens, bien décrit la situation d'exaspération. Et d'ailleurs, je crois avoir vu qu'il y a des premiers appels à rassemblement d'ici la fin du mois, suite, vous savez, à la déclaration de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui avait appelé en début de semaine à se rassembler devant les préfectures et son service et les,
et les centres commerciaux. Alors, il a été tensé pour cette déclaration. Il s'en est expliqué hier sur France Info, mais apparemment, cette déclaration a fait beaucoup d'émules. Alors, on va David Van Elmerick est de nouveau là. David, vous m'entendez ou pas? Je vous entends. Oui, bonjour David, comment allez-vous? Bonjour, un petit peu, on va dire, perturbé par ces problèmes techniques, on va dire. Mais c'est pas grave, vous savez, cher David, j'imagine que vous rencontrez plein de problèmes dans votre périple avec votre vie. Alors, je vous représente pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, et c'est pour ça aussi qu'on vous a invité. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes polytechnicien et surtout maintenant, vous êtes parti dans une quête avec pas mal de gens, et on va en parler, avec votre avion, vous êtes aviateur, et vous baladez au-dessus de la France avec cette banderole d'institution. David, j'ai envie de vous poser d'abord une question. Polytechnicien, comment on est polytechnicien qu'on arrive à cette forme de résistance extrêmement visible aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui vous a amené sur ce chemin, David? Polytechnicien, c'est un peu un boulot, c'est une formation d'ingénieur très généraliste. Et vous savez, beaucoup des gens qui ont fait Polytechnique font ça par amour de la formation. Et pas encore, hein, on peut être un peu immature quand on choisit cette voie-là, pas encore avec un vrai projet professionnel. Oui. Ce qui fait qu'il y a des polytechniciens dans toutes les branches de la société française. Moi, je pense par exemple à ceux qui enchaînent directement avec un séminaire ou ceux qui… on en trouve partout. Et en ce qui me concerne, j'ai commencé de manière assez classique une carrière de consultant à Londres. J'ai servi les forces armées en Afrique. D'accord. Dans le cadre, je ne suis pas censé le dire, mais on va dire, l'armée française s'autorise à influencer des populations. Et finalement, donc, le gouvernement s'autorise aussi à influencer les populations françaises avec de la peur. Et moi, j'étais sensible au fait qu'un combat, ça se gagne psychologiquement, du coup. Et quand j'ai vu pour la première fois de ma vie, il y a une dizaine d'années, la répression qui existait en France, je suis tombé de haut et j'ai utilisé ma casquette d'ingénieur pour me dire, mais s'il faut réformer la société française, il ne faut pas forcément faire des manifs. Moi, je voyais à l'époque le mouvement que je voulais appuyer, il faisait des manifs, il mettait 1 million de gens dans la rue, et la seule chose que ça allait... c'est qu'il y aurait potentiellement 1 million de gens qui allaient se faire matraquer. Et donc, ce qui s'est passé, comment je suis venu à être pilote de banderole subversive dans le but de faire s'effondrer un régime, c'est simplement qu'en tant qu'ingénieur, j'ai voulu faire un benchmarking, j'ai commencé à étudier tout ce qui pouvait se faire et à étudier sous l'angle de l'efficacité. Et quand un petit jeune un jour m'a dit « mais tu devrais prendre une banderole et aller sur les Champs-Élysées », et moi, ce que j'entendais là-dedans, c'était une grosse émotion. Et je voyais aussi qu'en tant que pilote, ce ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que Paris est très défendu. Avec un petit avion, ça ne va pas aussi vite qu'un Mirage 2000, pour simplifier. Ouais. Par contre, sur le côté ingénieur, je me suis dit, mais attends, c'est très fort ça, parce qu'effectivement, en tant que pilote, une banderole subversive, ça n'a pas encore été fait. Et donc, ce serait une personne, même s'il faut des moyens techniques, qui dialogue directement avec la nation. Et donc, je me dis, il faut essayer. Et tout va être ensuite dans le message. Et puis, le lieu, c'est les plages de France. Ouais. Et je me suis dit que faire le tour de la France, ça a comporté aussi une dimension symbolique très forte. C'est, vous savez, militairement, faire le tour d'une ville assiégée. Se dire, les Français, ils sont occupés par leur propre gouvernement. Ils sont enfermés. On l'a vu ces dernières années, finalement, le gouvernement utilise la peur, il envoie directement les gens chez eux pendant 2 ans, enfermés à domicile. Et donc, je me suis dit, si je fais le tour, c'est un peu comme si j'essayais de donner l'espoir en essayant de passer par toutes les portes possibles. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un peu en longueur comment je suis arrivé à devenir pilote. C'est aussi finalement accepter la mission au bout d'un moment qui nous tombe dessus. Parce que quand on se rend compte que justement les autres polytechniciens ou les autres pilotes font pas le boulot, si jamais on se retrouve avec les compétences données et puis en face, la France a besoin que chacun fasse à sa place ce qu'il faut faire,
pour essayer de libérer la France. Enfin, vous travaillez avec Tocsin Média, le nom est très suggestif. Je ne connais pas bien votre média, mais Tocsin, finalement, c'est appelé à la liberté, réveiller les peuples. Enfin, on fait le même boulot, mais chacun avec sa spécialité. Non, mais c'est très intéressant, finalement, ce que vous demandez. Et j'ai une question, parce qu'on vous voit souvent atterrir, vous faites des vidéos, les gendarmes sont au point d'atterrissage, et puis vous repartez, vous êtes aidé par des citoyens aussi, parce qu'il y a des citoyens qui vous aident dans cette aventure. Comment ça se passe? Parce que je ne pensais pas qu'on puisse, vous allez me le dire, hein, David, je ne pensais pas qu'on puisse voler comme ça, sans avoir des accords. Donc j'imagine qu'à un moment donné, l'espace aérien est sécurisé. Et comment vous arrivez-vous déjà à voler, à décoller, et ensuite à atterrir et à chaque fois déjouer les contrôles de gendarmerie qui vous tombent dessus à chaque fois que vous atterrissez dans un champ? Alors vous avez dit le mot-clé, j'atterris dans un champ. Ouais. L'atterrissage qu'on a vu dans une vidéo récemment sur la plateforme de Aix-les-Milles avec l'armée de l'air qui me suit. Bon, l'armée de l'air, elle atterrit là aussi. Ils auraient pu atterrir partout, mais coordonner des poursuites et que la gendarmerie arrive, c'est plus facile quand je pars d'un endroit identifié, quand j'arrive sur un endroit identifié. Donc là, on a sorti la banderole devant Marseille. Donc la discrétion, c'était zéro. Hein, on est d'accord. Par contre, le succès, 100%. Et donc, j'étais sûr que ça allait être passé de manière un peu répressive. Et je n'étais pas surpris de voir un hélicoptère derrière. Maintenant, on ne montre pas les images quand ça se passe bien. Ouais. Vous voyez que je suis toujours libre. Ouais. Parce que David, vous risquez des poursuites ou pas? Vous risquez des poursuites aujourd'hui avec ces... Alors, c'est difficile de répondre à ça parce qu'il y a la partie purement légale et puis il y a la partie réelle en France. Donc, oui, je risque des poursuites parce que Macron, il a même fait passer une loi anti-banderole. Mais normalement, cette loi, c'est contre la publicité aérienne. Ouais. Et moi, je considère que ce n'est pas de la publicité. Je considère que j'ai fait quelque chose de légal, hein, même si cette loi, il faut la faire sauter. Cette loi, elle est injuste. Cette loi, elle a mis 300 pilotes au chômage juste pour interdire potentiellement une banderole contre Macron. Et cette loi, finalement, elle ne marche pas en ce qui me concerne parce que nous, on va dire que ce n'est pas la publicité. Mais Macron va peut-être quand même lancer des poursuites parce que ça lui permettrait de saisir le matériel en prétendant que j'ai agi de manière illégale. Alors, c'est intéressant. On va rentrer dans le fond du sujet. C'est le fameux article 68. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, David, c'est comment vous pensez que déjà vous, avec vos actions, avions, banderoles, et puis les gens aussi qui vous soutiennent, bien entendu, parce que je vois que vous avez quand même énormément de soutien, vous pensez à un moment donné faire pression sur les députés pour essayer d'activer l'article 68. Est-ce que vous pensez que ça va suffire? C'est une véritable question. Hein. Ou est-ce qu'il va falloir un mouvement populaire beaucoup plus grand, David? Oui, alors en fait, il faut un plan. Ouais. Il ne faut pas juste partir comme ça et espérer qu'un mouvement populaire réussisse, même s'il était plus grand. Donc, moi, j'ai rappelé le plan. Un, on s'organise. Deux, on devient un mouvement populaire de masse majoritaire. Trois, on applique la pression sur les députés, l'article 68, bataille au Parlement, pour simplifier. Et donc, il faut plus que, quand je dis on s'organise, il faut plus que David et ses soutiens. En fait, si je suis à la tête, c'est déjà raté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de chef. Je dis que si je suis le chef, le leader charismatique, le gouvernement va me faire avoir un accident du LM et c'est terminé. Donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est une structure collégiale où il y a des responsabilités claires. J'assume le fait que maintenant, je suis en train de lancer ce mouvement. Voilà, j'assume. Et c'est pour ça que je ne dirais pas, il faut manifester, parce que si la levité est sur moi, je ne veux pas que les gens se prennent des coups de matraque ou qu'ils perdent un œil. Donc, on va mettre en place une structure et ensuite des modes d'action. Les modes d'action, idéalement, pour le moment, il y en a qui font le buzz, mais dans la phase 3, les modes d'action mettront la pression. Par exemple, il y a Pierre, leader des régions, que ce serait bien que vous invitiez, qui m'avait proposé, il faut s'entraîner à faire des clappings parce qu'on fera des clappings devant les permanences des députés. Tu imagines 577 clappings devant les permanences des députés. Moi, je disais, mais tu sais, 577, n'importe quoi devant les permanences des députés, ça peut aussi marcher. Et la question, c'est quand même, par contre, de les faire de manière organisée.
Et puis, si on veut augmenter la pression, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire des actions devant les domiciles des députés ? Vous savez que ça a coûté cher aux Gilets jaunes, ça, hein ? Ah, écoutez, moi, ouais. Je m'en fiche de ce que ça coûte. À un moment, il faudra faire une marche. Et par contre, il ne faut pas que ça coûte la vie d'une seule personne de la résistance et un coup de matraque. Enfin, coup de matraque, moi, je m'en suis pris plein. Je veux dire, c'est qu'on ne perd pas un œil, qu'on ne perd pas une main en défendant la France. Voilà, si ça coûte de l'argent et qu'il y a des amendes à payer, eh ben, un jour ou l'autre, on fera marcher la solidarité. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire, l'enjeu est trop important. Cette fois-ci, on y va pour gagner, on y va pour changer définitivement la manière dont la politique se passe en France. Oui, c'est intéressant parce que vous êtes très dur envers sur Emmanuel Macron. Hein. Vous le dites, alors vous avez dit c'est un traître à la nation, Emmanuel Macron, concrètement. C'est ce que vous avez dit récemment. Aujourd'hui, comment vous le voyez et vous parlez, vous dites qu'on n'est plus en démocratie, hein, David Van Emmerich. Non, mais c'est parce que les Français sont trop habitués à être tendres avec le régime. Pour ne pas avoir mal, on fait la politique de l'autruche. Hein. Je ne veux pas jeter la pierre. C'est normal, quand on a très mal, de vouloir faire descendre la douleur. Et néanmoins, puisque maintenant, il est l'occasion de guérir la France, il faut regarder la réalité en face. Et de tout temps, dans les républiques, une république en général arrive après un moment autoritaire où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Et normalement, la république met en place des garde-fous pour éviter que tous les pouvoirs soient à nouveau concentrés dans les mains d'une personne. Alors, il se trouve que dans la Ve République, les pouvoirs sont potentiellement à nouveau concentrés dans les mains d'une personne. Ça a été fait par De Gaulle pour régler une situation de crise. Mais De Gaulle, il avait un grand respect de cette légitimité populaire. Et donc, quand le peuple ne l'a pas soutenu, il est parti. Cette Ve République, dans les textes, elle est potentiellement une dictature. Mais dans l'esprit, elle devait être un régime paternaliste, en communion avec le peuple. Et depuis, c'est devenu de pire en pire. Donc, ça fait 50 ans que les Français sont habitués à obéir à un seul homme, ce qui, de facto, n'est pas une démocratie. Et tout est donc dans l'esprit. Dans une république, ce sont les serviteurs de la nation qui servent le peuple. Deuxième article de la Constitution, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tout serviteur de la nation qui ignore les deux premiers articles du règlement est un traître à la Constitution. Et en tant que garant des institutions, Macron est lui-même celui qui saborde les institutions. Il ne fait donc pas son devoir. Donc, à minimum, c'est le pire des employés possibles, Macron. C'est un employé qui prend le pouvoir chez vous et qui vous explique que vous n'avez pas le droit de le virer, alors que c'est faux. Et donc, Macron, il pique dans la caisse, il insulte les patrons. Et il prétend qu'il faut continuer à le respecter. Non, un employé qui s'amuse à vous donner des ordres, c'est le moment de lui donner un coup de pied aux fesses et ensuite, ça sera avec l'eau prud'homme. Et en ce qui concerne Macron, voilà, coup de pied aux fesses, article 68. Et ensuite, ça se réglera dans un tribunal pour la suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient arrêter Macron. Mais pour le moment, ce n'est pas possible qu'il est président. Il faut d'abord le destituer. Et c'est intéressant. Alors, est-ce que, encore deux questions, David, et merci d'être là avec nous. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez peut-être des députés qui vous appellent sous le sceau du secret, qui peut-être prennent conscience, ou est-ce que vous avez un mouvement de fond chez les parlementaires qui commence à réfléchir, parce que vous le faites, mais Asselineau en parle aussi depuis un certain temps. Est-ce que vous sentez quelque chose de cet ordre-là, David ? Il y avait la reprise des débats parlementaires là, qui vont commencer vraiment à reprendre autant. Alors, il y a un député qui ne cache pas son soutien. Hein, le premier député, officiellement, hein, il y a beaucoup de Français qui veulent la destitution de Macron, mais il y a un député qui ne cache pas son soutien, et c'est Nicolas Dupont-Aignan, donc je salue. Je voudrais saluer aussi tous les gens qui ont appelé à la destitution, M. Poulain, M. Asselineau, qui a fait un dossier. Je voudrais saluer tous les Français qui se sont levés. Et puis, c'est plus l'important qui sera le premier. L'important, c'est qui met les moyens progressivement. Encore une fois, d'abord, c'est l'organisation, parce que non seulement on se fédère, on va appeler à l'union, mais en ce qui concerne mon organisation, on se professionnalise, on y va à temps plein, parce que le futur de la France le mérite bien. C'est tout simplement ça. On y veut y aller sérieusement ou pas. En face, vous avez vu les moyens qu'ils ont. Ils prennent des milliards dans la poche des Français pour mettre, entre autres, en place un régime policier. Un régime où on vous flique pour sortir de chez vous potentiellement. Un régime où il faut un QR code pour avoir le droit de boire un café. Enfin,
Voilà, donc en face, ils mettent les moyens, et pas que des moyens de force et de peur. Il y a aussi des tonnes de fonctionnaires pas forcément débiles dans les ministères, mais qui font des notes sur comment empêcher le peuple de se réveiller. Donc, nous, en face, on doit utiliser absolument tous nos moyens, à savoir du temps, de la générosité, de l'enthousiasme, de la solidarité, bien sûr, mais aussi du professionnalisme. Et je veux quand même rappeler les Français qu'une fois qu'on y va sérieusement avec de l'organisation, le fait que nous, ce soit le camp de la solidarité, ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre et c'est vraiment notre force. Donc, il faut y aller à fond là-dessus. Alors, une dernière question, David, là-dessus. On va faire un peu de politique fiction en 2-3 minutes. Macron, il est destitué. Voilà. Et pour vous, quelle serait la suite politique de votre initiative, de votre action? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, David? Est-ce qu'il y aurait un mouvement, quelque chose qui serait après pour vous? Est-ce qu'il y a un après la destitution pour vous? Évidemment que tout citoyen doit continuer à réfléchir, mais c'est aussi normal dans le cadre de respect d'un mouvement qui doit être transpartisan, de ne pas, que vous venez de me donner. Néanmoins, ce que je veux dire pour rassurer tous les Français qui pourraient se douter, enfin, hésiter à nous rejoindre, l'important, c'est la direction. On a fixé un cap qui met tout le monde d'accord, Macron étant un verrou qui empêche d'améliorer le système, on fait sauter le verrou. Ensuite, vous regardez la trajectoire de là où on est maintenant. Ah, on a viré Macron. C'est quelle direction? C'est celle de la démocratie. Eh bien, faites confiance au peuple. Si le peuple, tout d'un coup, retrouve les moyens d'avancer, les moyens de se libérer de ses peurs et d'aller dans la direction de la démocratie, faites confiance au peuple. Ne faites pas confiance à ce que moi, je pourrais dire. Le peuple lui-même aura fixé le cap, sera débordant d'une énergie démocratique, et donc ce seront les oligarques qui se cacheront sous la table et les Français de bonnes intentions qui seront mis ensemble, qui auront appris à travailler ensemble. Et la suite, eh ben, je n'ai pas envie de la mentionner, mais je pense que tout le monde aura compris dans quelle direction on va. Merci beaucoup, David Van Emmerick. J'espère que on va suivre vos aventures. En tout cas, vous avez une grosse communauté sur Twitter, hein, mais même sur tous les réseaux sociaux, hein, ça cartonne dans tous les sens. On voit bien qu'il y a une appétence pour les gens aussi à contester, et on verra bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'être passé par nos studios virtuels. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci, David Van Emmerick. Bonne journée à vous, en tout cas. Bonne journée à vous. Voilà, donc c'était cette interview extrêmement intéressante de David Van Emmerick. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à poser vos questions, bien entendu. Vaccin Média sur Tipeee, véritablement, pour qu'on puisse continuer à faire la matinale, vous le savez, améliorer les petits problèmes techniques qui sont très mineurs quand même, parce qu'on va continuer. Aujourd'hui, je vais recevoir Christelle Comet. Ensuite, nous aurons Alain Falento et la grande interview de Charles Gave, qui lui sera dans nos studios. Vous allez voir, ça va être une très, très, très belle interview. En tout cas, on continue, on poursuit. Merci d'être là, merci de vos soutiens, merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de vos dons. Allez, c'est parti, on file sur l'interview de Christelle Comet. Allez, on continue avec Christelle Comet, une interview sur un sujet brûlant aujourd'hui. Christelle Comet, qui est vice-présidente de l'association Les Mamans Louves, qu'on connaît bien. Christelle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Et surtout, est-ce que vous êtes en forme? Bonjour Nicolas, oui, je vous entends très bien, merci. Bon, mais merci beaucoup d'être venu ce matin. On a un peu tardé, mais les interviews sont passionnantes depuis ce matin qu'on a commencé. Donc, mais la vôtre sera tout autant. Alors, on vous connaît bien chez les Mamans Louves. Rapidement, les Mamans Louves, pour représenter à nos auditeurs ou nos téléspectateurs, parce qu'on est sur YouTube en vidéo, qui ne vous connaissent pas, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, Christelle. Oui, alors on est une association qui a été créée durant la crise sanitaire. Et on s'est positionné pour défendre l'intérêt supérieur des enfants, notamment en milieu scolaire. Voilà, et aujourd'hui, on est évidemment mobilisé sur un sujet préoccupant aussi, qui est celui de l'éducation à la sexualité.
Alors moi, on en parle de plus en plus de vidéos sortent là-dessus, des témoignages édifiants. Vous-même, vous collectionnez des témoignages. Je suis allé voir hier en préparant l'émission, je vous invite, chers amis, à aller faire un site sur les mamans louves. Bien entendu, pour se rendre compte, vous avez beaucoup milité contre le masque et les mesures sanitaires imposées aux enfants, hein, bien entendu. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que l'éducation à la sexualité présente des sensibilisations de plus en plus problématiques. Christelle Comé, j'ai envie de vous poser la question. Quelles sont-elles et quelles sont la nature des contenus que vous dénoncez, Christelle? Alors effectivement, l'éducation à la sexualité, elle n'est pas nouvelle. Donc ça, c'est important que les gens le sachent. C'est une loi qui date de 2001 qui oblige 3 séances d'éducation à la sexualité dès l'école élémentaire. Elle a été rappelée, cette notion, par Marlène Schiappa en 2018, qui appelait tous les recteurs d'académie à appliquer ces 3 séances. Bon. On voit bien en fait que les équipes éducatives, d'un, n'ont pas que ça à faire, évidemment, puisque je rappellerai que la priorité devrait normalement être un niveau scolaire suffisant pour que les élèves sortis de l'école primaire puissent savoir lire, écrire et compter, mais la priorité absolue du précédent ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a été de renforcer à tout prix cette éducation à la sexualité. Lui-même a édité une circulaire en septembre 2022 et a mis en place une enquête nationale pour veiller à cette bonne application. Et dans les faits, on se rend compte que, les équipes éducatives ne sont pas préparées, elles ne sont absolument pas formées, et au-delà de ça, elles n'ont aucune connaissance, à l'évidence pour certaines, de ce qu'est le développement psycho-affectif des enfants. Et on s'est retrouvé avec une accélération, forcément, avec Pap Ndiaye qui nous a séné quasiment tous les mois avec cette nécessité de renforcer l'éducation à la sexualité, avec des familles absolument scandalisées qui récupéraient leurs enfants à la sortie de l'école, qui ne savaient pas qu'il allait avoir ces séances d'éducation à la sexualité, et qui ont vu leurs enfants revenir absolument traumatisés, alors que normalement, et ça aussi c'est important de le dire, ces circulaires même qui sont rappelés à chaque fois par Marlène Schiappa puis par Pap Ndiaye fixent un cadre qui est très clair et qui est le suivant. La sexualité ne doit pas être abordée stricto sensu à l'élémentaire. On a des contenus qui doivent être adaptés à l'âge des enfants et on doit faire preuve de grande vigilance lors de ces séances. Les parents doivent être informés et ou associés à la mise en œuvre de ces séances. Et on a un projet éducatif qui est censé être explicité en conseil d'école pour qu'il n'y ait pas de méprise de ce qu'est cette éducation à la sexualité. Mais alors, dans les faits, on a des intervenants qui ont explicité des pratiques sexuelles à des enfants de 9 à 10 ans, donc en classe de CM1, CM2, et évidemment, qui les ont traumatisés et choqués. Alors, je ne redirai peut-être pas, parce que je ne sais pas quels sont les auditeurs qui vont nous regarder, s'il y a peut-être des enfants aussi autour d'eux, mais en tout cas, on va utiliser des mots génériques pour que les gens comprennent bien que ce que l'on constate, c'est que sont explicitées la fellation, la sodomie, ce genre de pratiques auprès d'enfants qui n'ont absolument pas la maturité psychique de pouvoir recevoir ces informations. Et moi, je pense que c'est important aussi de positionner notre regard sur ce qu'est cette éducation à la sexualité, en tout cas revendiquée comme celle-ci, avec des objectifs qui sont tout à fait louables, qui, à la base, sont censés venir permettre aux enfants de pouvoir lutter contre les violences sexuelles et les discriminations. Alors, comment on lutte contre les violences sexuelles avec ce discours-là qui vient banaliser la sexualité adulte, Nicolas ? Dans le monde des enfants. Oui. Comment un enfant confronté à un prédateur sexuel demain, qui, on le rappelle, ne sont pas déguisés en monstres, hein, ont plutôt tendance à jouer sur l'affect, sur la base d'une relation de confiance avec les enfants, quand on leur explique qu'il est possible de pratiquer la sodomie ou la fellation, quand l'enfant il va être confronté à ça, comment il va pouvoir lutter? Donc nous, on veut bien la jolie théorie, mais dans la pratique, en fait, on ne pose aucun garde-fou. Et quand on se permet, parce que c'est notre rôle de pouvoir accompagner les familles pour aller dénoncer ça auprès, un, de l'établissement scolaire concerné, deux, de l'inspection académique, qui est le premier relais, on va dire, d'autorité supérieure qui doit superviser les établissements, et ensuite le ministère de l'Éducation nationale qui en fait sa priorité, on n'a pas de réponse. Alors là, ça n'est plus la priorité. Vous voyez ? Donc, on ne sait pas quel est cet héritage que nous a laissé Pap Ndiaye. On sait aussi, peut-être que c'est bien de le dire,
Avant de partir, il a saisi le Conseil supérieur des programmes. Voilà. Pour pouvoir intégrer à chaque niveau d'enseignement cette éducation à la sexualité. Donc, toujours pareil, comment ça va être fait, par qui? Et on nous parle aussi, quand on sollicite les enseignants, de liberté éducative. Donc, quand bien même il y aura un programme demain, au nom de la liberté éducative et de la méconnaissance absolue de ce qu'est l'enfant et son besoin d'être préservé, de son développement, encore une fois, cognitif, affectif, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça l'inquiétude des familles, en fait, aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça l'inquiétude des familles. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les parents? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un mouvement de fond qui se met en place. Est-ce que c'est une vision déformée ou est-ce que c'est le cas, Christelle? Je n'ai pas compris la notion de vision déformée, Nicolas. Ouais, c'est-à-dire que moi, est-ce que j'ai une vision déformée puisque je suis les réseaux sociaux et que je vois de plus en plus de vidéos là-dessus de parents, même d'enseignants parfois qui dénoncent ce que vous appelez l'éducation sexuelle aujourd'hui, dans sa forme actuelle. Ou est-ce que c'est un mouvement de fond ou est-ce que ce sont des témoignages isolés aujourd'hui? Vous pouvez nous dire, parce que j'imagine que vous recueillez pas mal de témoignages, comme d'ailleurs SOS Éducation de Sophie Oluger. Tout à fait. Donc, effectivement, avec SOS Éducation, on travaille conjointement sur ce dossier. Elle aussi reçoit énormément de témoignages. Alors là, on est en début d'année. Donc, en début d'année, on n'a pas, on va dire, cette notion encore de qu'est-ce qui se passe actuellement au bout de 15 jours à l'école. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore de témoignages dans ce sens où on a encore des enfants qui sont traumatisés, comme ça a été le cas de nombreuses fois en 2022. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qui préoccupe. On a fait ce travail de pouvoir justement sensibiliser les parents, sensibiliser les enseignants et sensibiliser les établissements scolaires ainsi que nos instances éducatives. Donc évidemment que c'est un sujet qui rentre de plus en plus dans le débat public et heureusement, parce que si c'était hier la priorité de l'éducation nationale, c'est aujourd'hui la priorité des parents que de s'assurer justement que leurs enfants vont être préservés et que les établissements scolaires vont veiller justement à respecter le cadre de ces circulaires. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de ce sujet. Et j'ai envie de dire que c'est même plus qu'une notion française, parce qu'on voit bien aussi qu'à l'étranger, et je parlerai notamment de la Belgique, qui est absolument scandalisée et par la prise de parole de professionnels de la santé mentale et de la psyché concernant le Guy Debras. Et on voit aussi des familles qui se mobilisent. Le problème, en fait, qu'on a partout, c'est que les parents, on a le sentiment, et dans les faits, ça se vérifie, qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, notre autorité parentale, encore une fois, elle est bafouée. Mais par contre, là, ça a le don d'énerver, franchement, les familles. Et effectivement, il serait temps qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Et c'est ce que nous, on essaye de faire avec SOS Éducation, qui nous mobilisons auprès des instances et donc avec la sollicitation de tous les parlementaires français, parce qu'on a besoin, dans l'urgence, d'avoir des réponses et surtout d'avoir des personnes qui prennent des décisions en conscience, c'est-à-dire avec un ensemble de choses qui n'est peut-être pas forcément dans les paramètres de ceux qui décident, en fait, pour mettre en place cette éducation à la sexualité. Alors, à une minute, Christelle Comet, vice-présidente de l'association Les Mamans Louvres. Si des parents qui nous écoutent, vous êtes très nombreux ce matin sur le live, comment on fait pour vous contacter, Christelle, aux Mamans Louvres? Alors, on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, très actifs sur Twitter. Donc, vous pouvez nous retrouver avec le @mamanlouvre. On a un site internet qui est www.mamanlouvre.org. Je vous invite à aller consulter notre rubrique « Notre flyer ». On a une thématique « Éducation à la sexualité » dans laquelle tout est explicité et vous pourrez retrouver donc ce flyer de sensibilisation pour les parents, également les courriers à adresser aux établissements scolaires pour leur... Justement, avec les établissements scolaires, je pense que c'est indispensable aujourd'hui que de se positionner en tant que parent. N'hésitez pas à nous contacter aussi, on vous répondra très très volontiers. Eh bien, merci beaucoup, Christelle Comet. On se tient au courant, bien entendu. On suit sur Twitter ce que font les mamans louves, Sophie Oduger de SOS Éducation. C'est des sujets qui nous intéressent. On a besoin d'en parler. Il faut que les gens soient au courant de tout ça et les parents, notamment, pour la préserver, nos enfants. Merci, Christelle. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée. Nous, sans aucune transition, on parle d'économie, de cartographie française, de l'effondrement de l'économie française. Allez, c'est parti. Merci, Nicolas. Merci. With friends surrounded.
Allez, chers amis, merci d'être sur Tocsin Média. Il n'y a pas suffisamment de likes, pas suffisamment de likes. On est à 700, il faut monter encore plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dès donc, vous êtes pratiquement 1000 en ce moment sur le live de cette matinale. Je suis très, très content de tous vous avoir ici. Posez des questions, posez-moi vos questions et surtout posez vos questions à l'invité puisque c'est un peu le but. Mais envoyez-moi, s'il vous plaît, des lives et des pouces et abonnez-vous à la chaîne et faites un petit don sur Tipeee. Vous avez la description, le lien en description de la vidéo. On a besoin de vous pour continuer la matinale. Et tout de suite, on parle d'argent, on parle de souillon, on parle d'Alain Falento, forcément. Alain, comment allez-vous ? Mais très bien, merci Nicolas, et vous-même ? Ben, je suis en pleine forme, je suis très heureux de vous avoir, comme je suis très heureux d'avoir tous mes invités, puisque je vous choisis, bien entendu. Vous êtes entrepreneur, conseiller économique et rédacteur à Riposte Laïque. Et Alain, ce matin, je vous ai appelé pour vous dire... Il faut que vous me parliez de la cartographie de l'effondrement économique français. Je sais que vous êtes très pertinent. Vous ne nous mettez pas le moral, hein, Alain Falento. Vous êtes dans le... Quand on vous écoute, après, bon, c'est comme ça, mais tant mieux. Je voulais qu'on parle rapidement. Alors, pas rapidement, on a un petit quart d'heure. Est-ce qu'on pourrait parler... On commencerait par l'inflation, ce serait pas mal, non ? L'inflation. À quoi doit-on s'attendre ? Et est-ce qu'on doit croire les chiffres de l'INSEE, Alain ? Alors, les chiffres de l'INSEE, si vous voulez, ils ne sont pas faux. Simplement, ils sont tendancieux. C'est-à-dire que l'indice des prix à la consommation et l'indice harmonisé, qui est censé permettre de comparer tous les pays européens, n'a pas vocation à refléter votre situation personnelle. Puisque par définition, chacun a son inflation. L'inflation, ça dépend de votre mode de vie. D'accord ? Et ça dépend aussi de son impact dépend de vos revenus. Moi, si le prix du caviar double demain matin, je ne vais pas m'en apercevoir. Le bobo parisien qui roule en trottinette n'a que faire du prix du gasoil. D'accord ? Et d'un autre côté, je veux dire, si vous gagnez 10 fois plus que moi, admettons, eh bien, si vous n'allez pas manger 10 fois plus, ni rouler 10 fois plus. Donc, même si l'inflation est de 50% sur les dépenses contraintes, vous n'allez pas vous en apercevoir. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas tellement les chiffres de l'INSEE, c'est plutôt ce que Bruno Le Maire et le gouvernement en fait et en dit. Voilà. Ils essayent de minimiser la souffrance de nombre de nos concitoyens devant l'explosion des prix. Voilà, parce que vous avez besoin de personne pour mesurer l'inflation. C'est-à-dire, ou alors, si vous avez besoin de quelqu'un, il vaut mieux consulter l'UFC que choisir. Eux, c'est des vrais gens qui vont dans des vrais supermarchés, qui prennent des vrais caddies avec des vrais produits et qui calculent. Donc, moi, j'ai mesuré mon inflation. Hein, je l'ai mesuré moi-même. C'est pas difficile. Hein. Ce que j'avais il y a un an avec un billet de 50 euros, ben maintenant, il me faut un billet de 10 euros en plus. Voilà, donc, c'est mon inflation personnelle à moi. Donc, visiblement, l'inflation alimentaire, qui elle concerne tout le monde, elle est autour de 25%. C'est-à-dire ce que vous pouviez acheter en août dernier pour 100, ça va vous compter maintenant 125. Voilà, c'est incroyable. Évidemment, j'ai quand même l'impression, est-ce que le gouvernement, il veut vraiment juguler l'inflation, Alain ? Et qui gagne du pognon, je suis désolé, sur l'inflation ? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui gagne du pognon sur l'inflation. Je suis désolé d'être vulgaire et un peu trivial, mais c'est la réalité. Il y a apparemment des intermédiaires qui exagèrent parce que vous remarquez que quand le prix des matières premières explose à la hausse, on les répercute, mais quand il y a une baisse, c'est jamais le cas. Ça fonctionne un peu comme une soupape, visiblement, le prix des matières premières. Donc oui, bien entendu, il y a des intermédiaires qui se gavent. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent rien faire contre l'inflation. Ils ne peuvent rien faire puisqu'ils n'ont la main sur rien. On ne peut pas dire vraiment que ce soit Bruno Le Maire en personne qui soit responsable de l'inflation, ni même son gouvernement. Ça remonte à bien plus loin, à un peu plus loin que ça, et particulièrement l'inflation énergétique. Quand vous entendez que, par exemple, l'inflation énergétique, théoriquement, devrait être de 100%. Pour l'électricité, ça devrait être de 100%. D'où ça vient, ça ? C'est pas innocent. C'est Bruno Le Maire et sa famille politique, et Macron et tout ça, qui sont les responsables de ça. Et il faut remonter au marché européen de l'électricité. C'est là où ça s'est joué. On a accepté d'indexer notre électricité nucléaire sur le prix du gaz. Première erreur, on n'avait pas accepté ça. Deuxième chose, deuxième erreur, nous avons déclaré une guerre économique à la Russie, avec comme conséquence l'explosion du prix du gaz. Donc, avec le marché européen d'électricité, nous avons aussi l'explosion du prix de l'électricité. Alors, pour masquer leur impéritie, si vous voulez, ils essayent de… Jamais il est question de leur responsabilité, en fait, dans tout ça. Alors, on vous dit, ah oui, on fait un bouclier grâce à nous, c'est un peu… En psychiatrie, ce serait un peu le…
comment on appelle ça, le syndrome de Munchausen perpétré, si vous connaissez le pompier pyromane, c'est exactement ça. Donc ils sont responsables de l'inflation, c'est de leur faute, bien évidemment. Donc ils vont créer un bouclier, comment ils appellent ça, un bouclier énergétique, c'est ça, et ils vous disent, ah oui, mais sans nous, ce serait 100%, grâce à nous, ce sera que 25%. Moi, quand j'entends, je sais pas, tous les gens qui étaient enfants dans les années 80, quand ils entendent bouclier énergétique, moi, ça me fait penser à, ça me rappelle Goldorak. Ah oui. J'ai l'impression que c'est le fulgure au point. C'est vrai, ouais. Donc, et en plus, c'est financé avec nos impôts, Alain, le bouclier. Finançons un truc pour se protéger. Enfin, c'est formidable, quand même. Ouais, le bouclier, vous le retrouverez soit dans les impôts, soit dans la dette, et la dette dans les impôts. Voilà. Parce que je le dis souvent, c'est pas le livret A de Bruno Le Maire ou LDD de Emmanuel Macron, là, manifestement, le bouclier tarifaire. On est d'accord, hein ? Non. Donc voilà. Là, c'est une situation épouvantable parce que on augmente les taux d'intérêt, mais notre inflation, c'est pas une inflation de surchauffe économique, que je sache. C'est pas que l'économie française soit dans un tel boom qu'on ait besoin de la ralentir. Non. Ouais. La Banque Centrale Européenne hausse les taux parce qu'elle veut pas que l'euro décroche par rapport au dollar, parce que sinon on va importer de l'inflation. Si notre monnaie décroche par rapport au dollar, étant donné qu'on achète nos matières premières, particulièrement énergétiques, en dollars, eh bien on va importer de l'inflation. Donc on est perdant à tous les coups. C'est-à-dire que si les taux montent, on paie notre dette plus chère, et si l'euro baisse, on va importer de l'inflation. Et j'ai lu, alors Alain, vous allez me dire, j'ai lu que la BCE pouvait remonter ses taux très prochainement, dans les prochaines heures ou les prochains jours. C'est le cas ou pas ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça implique pour nous, Français ? Ah bien, pour nous, alors oui, ce sera le cas parce que les banquiers centraux se sont réunis il y a une semaine, je crois. Et donc, les États-Unis ont informé, John Powell a informé Christine Lagarde qu'ils allaient continuer à remonter leurs taux. Donc, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de remonter les siens aussi. Donc, pour nous, les conséquences, ce sera d'abord un renchérissement du coût de la dette. Mmh. D'accord ? Donc, je signale quand même que, pour donner un peu une espèce de cartographie des finances de la France, vite fait, hein, nous avons… Oui, allez-y. Nous fêtons les 3 000 milliards de stocks de dette. 3 000 milliards, ouais, bravo, voilà. Ouais. Très bien. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est la charge de la dette, c'est-à-dire la partie du budget annuel qui est consacré au remboursement, même pas de la dette, des intérêts de la dette. Ouais, de la dette. Parce que la dette, on ne la rembourse jamais. On ne fait que la rouler d'une année sur l'autre, mais les intérêts. Et nous allons passer la barre des 50 milliards annuels. Alors, je sais, c'est des chiffres un peu abstraits, mais il faut comprendre une chose, c'est que le budget de l'État français, chaque année, des différents ministères, il est aux environs de 400 milliards. Ça, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut. Ouais. Donc, sur ces 400 milliards, le plus gros budget, c'est actuellement de l'éducation nationale. Donc, tu dois tourner autour de 60 milliards. Après, vous avez la défense, 40 milliards. Eh bien, maintenant, vous aurez la charge de la dette, les intérêts annuels, 50 milliards, qui d'ici 3 ans monteront à 70 milliards. D'après certains économistes, j'ai vu des études, pensent que ça va foncer vers les 100 milliards. Donc, nous, bientôt, ce sera de loin le plus gros poste de dépense de l'État français. Donc, l'histoire de l'inflation sur la dette, et puis ces gens viennent nous casser les sabots avec la réforme des retraites pour 10 ou 12 milliards, on est d'accord ? Ah oui, non, mais 10 ou 12 milliards, 10 ou 12 milliards. Que nous n'aurions pas à payer s'ils n'avaient pas émis des obligations indexées sur l'inflation. Ouais. Vous vous souvenez de cette histoire, Bruno Le Maire et Macron, ont décidé de s'endetter, au lieu de s'endetter à taux fixe, comme on le fait d'habitude, ils ont décidé de s'endetter avec des obligations indettées sur l'inflation. Alors, avec l'explosion de l'inflation, bien évidemment, ça renchérit les intérêts qu'on doit payer. Et on est de l'ordre, je crois, de ces 10 milliards. Et Charles-Henri Gallois, qui avait levé ce lièvre-là, notamment avec quelques autres, donne des chiffres incroyables. Charles-Henri Gallois donne des chiffres absolument incroyables sur ce que ça va nous coûter, vous l'avez dit, hein, Alain. Mais ça nous pousse dans une merde noire, je suis désolé, une nouvelle fois. Mais je crois qu'il s'en gargarise pas, il s'en vante pas sur les plateaux télé, Bruno Le Maire, ni Olivia Because la crise, je parle bien sûr d'Olivia Grégoire. Alors, Bruno Le Maire, le pauvre, et je l'ai regardé pas, je suis tombé par hasard sur lui il y a quelques jours. Ouais, mais on peut faire lui par hasard, hein, Bruno Le Maire. Donc, la journaliste lui demandait, mais alors, il y a une paupérisation de la société française. Oui. Et ce pauvre Bruno Le Maire, qui est quand même, je rappelle, en plus d'être un écrivain érotique à succès, et surtout dilaté, est également ministre de l'économie.
Donc, un ministre en charge, normalement, devrait dire non, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Voilà pour quelle raison je considère qu'on n'est pas en paupérisation. Et la seule réponse de Bruno Le Maire, c'est ben, je ne crois pas. C'est tout ce qu'il a à dire. Je crois pas. Je récuse l'idée qu'il y a un appauvrissement généralisé des Français. Oui, d'accord. Il récuse l'idée. Il récuse l'idée. Oui, il récuse l'idée. On peut regarder le ça. Le Gérard Majax de la dette. Le David Copperfield de la croissance qui baisse. Le David Copperfield de la dette. Donc, on n'est pas pauvre, d'accord. Je ne sais pas si vous savez à quelle place on pointe en parité de pouvoir d'achat. Parce que ce n'est pas en PIB qu'il faut classer les pays pour savoir comment vivent les gens. C'est en parité de pouvoir d'achat. Nous pointons à la 25e place. Voilà. En chute chaque année. Nous allons être rattrapés par l'Espagne et la Turquie. Ah oui. Voilà, c'est ça la réalité de la France. De toute façon, quand on passe son temps à dire que la France est un pays riche, dire, vous n'entendez pas les Suisses dire à la télévision « la Suisse est un pays riche » ou les Luxembourgeois, tout le monde le sait. Nous, on passe notre temps à dire que la France est un pays riche. Donc, c'est comme ça qu'il faut se pencher sur la réalité. Ouais. Alors qu'en fait, vous regardez le salaire médian des Français, ça fait peur. Ça fait peur, sincèrement. Salaire médian en France, médian, pas moyen. Oui. Salaire médian, moitié des salariés au-dessus, moitié des salariés en dessous. 2 187 € net par mois. Comment vous vivez avec ça, par exemple, en région parisienne? Vous faites comment pour survivre? Mais on suce des cailloux. Oui, voilà. Et alors, j'ai regardé aussi comment les salaires sont répartis autour de salaires médians. Donc, en fait, on voit une smicardisation de la société française. C'est-à-dire, les salaires sont déjà groupés autour de salaires médians, même plutôt à la baisse. Et le SMIC, lui, il augmente mécaniquement parce qu'il y a des règles mécaniques d'augmentation du SMIC. Donc, petit à petit, on va se retrouver avec tout SMICard. Alain, je voudrais vous poser une question parce qu'on va arriver à la fin de l'intervention. Deux minutes, j'ai des questions qui me brûlent les lèvres. Est-ce que la France, je vous avais déjà posé la question sur mon média, mais j'aimerais que vous donniez votre avis là aux téléspectateurs de Tocsin. Est-ce que la France est-elle sur le point de devenir la Grèce, Alain? C'est en voie de tiers-mondisation. Oui, il y a une économie en voie de tiers-mondisation. Et d'ailleurs, un détail, qu'est-ce qu'on essaye de valoriser? De quoi on se félicite? On se félicite du tourisme de masse. Voilà. On se félicite d'être traversé par 60 millions de personnes chaque année qui dépensent même pas 1 000 euros par tête avec toutes les nuisances. On se félicite et on veut développer ça. Eh bien, ça, c'est de l'économie de pays du tiers-monde. Ouais, effectivement, ouais, c'est du carton pâte, c'est du folklore. Il nous restera plus que le folklore, effectivement. Parc Astérix. Ouais. On finira tous à travailler au parc Astérix et à servir des hot-dogs et des touristes hollandais. Voilà, si, et d'ailleurs, qui nous ont bien embêtés, pour pas dire autre chose, lors du plan de relance. Rappelez-vous des frugaux qui ont voulu nous mettre la tête sous l'eau avec les Allemands, d'ailleurs, les frugaux hollandais. Voilà, avec qui on continue à discuter. Merci Alain, la prochaine fois ça sera plus lent, mais c'est vrai qu'on a une grosse matinale. Merci en tout cas entrepreneur, conseiller économique, et vous êtes aussi sur Riposte Laïque. Et votre dernier livre, rappelez-moi le titre s'il vous plaît, qui est passionnant notamment, l'autre livre sur la sortie de l'Union Européenne. Oui, sortir de l'Europe, question de vie ou de mort. Exactement, allez l'acheter sur les éditions Riposte Laïque, vous allez vous régaler, vraiment c'est un très bon livre. Merci Alain, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup Alain, merci à tous d'être là sur Tocsin. Vous êtes plus de 1000 sur le live, merci beaucoup, des likes, il faut passer les 1000 likes, merci beaucoup, des dons, en tout cas poussez-moi cette émission ce matin, et on passe immédiatement pour perdre du temps, et restez en ligne parce qu'on va recevoir dans 10 minutes, on va recevoir Charles Gave, le grand entretien de Charles Gave, mais avant c'est la chronique opéra rock de l'ami Didier Mesto, les amis. Comment vas-tu, cher ami? Désolé, on a tardé, mais les interviews s'enchaînent et sont passionnantes. Mais on ne doute pas que ta chronique le sera tout autant. Eh bien, écoute, mon cher Nicolas, ça va très bien. J'espère que tous nos auditeurs aussi, je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et ça fait du bien. Alors, si, les amis, je vous chante « On a down as a highway, cool wing in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. » Nicolas, c'est quoi ça? Ben facile, j'ai le texte sous les yeux. En même temps, je suis nostalgique, c'est Hotel California, les Eagles. Tout le monde l'a reconnu, du célèbre groupe américain
Eagles, alors, c'est la chanson de tous les records, de tous les superlatifs. Et celle sur laquelle vous emballiez, mon cher Nicolas. Oui. Sur la plage de Palavas-les-Flots. Ouais. Moi, je me souviens très bien. Hein. Ouais. Guitare en bandoulière, cheveux en bataille, gros médaillon Love and Peace. Sur un énorme médaillon. Un énorme médaillon. Ah oui, et puis vous aviez le torse athlétique et cuivré, là, comme ça, vous vous baladiez. Il y avait des centaines de groupies que j'ai eu au téléphone, d'ailleurs, hein, pour préparer cette chronique. M'en ont attesté, m'ont demandé vos coordonnées, mais je ne veux pas d'embrouille hein, avec les vôtres. Bon, elle me réclamait à corps et à cri, hein, partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Bon, bref, je m'égare. Revenons à nos moutons à Hotel California. Alors, initialement édité sur l'album éponyme, hein, Hotel California en 76, elle sort en single en 77. Elle est classée numéro 1 dans les charts américains. Numéro 49 selon Rolling Stone, parmi les plus grandes chansons, les 500 plus grandes chansons du monde. Plusieurs fois disque d'or, disque de platine, 1,5 million d'exemplaires et 32 millions d'exemplaires, figurez-vous, pour l'album. Mm. Hotel California, ça fait partie de ces chansons qui, dans le monde entier, hein, déclenchent immédiatement une émotion, un souvenir. Nous voilà partis à chantonner le solo de guitare. Bon, voilà, à hurler à tue-tête le refrain, qui est bien trop haut pour le commun des mortels, c'est le massacre assuré, mais peu importe, la joie, la communion, le partage sont là, mon cher Nicolas, et aujourd'hui, c'est devenu tellement rare, on ne va pas bouder notre plaisir. Alors, en apparence, les paroles de cette chanson sont plutôt festives, elles sont plutôt joyeuses, il est question d'un hôtel charmant, si charmant, où tout le monde danse, où le champagne rosé est gardé, bien au frais, dans les seaux à glace. Les plafonds sont des miroirs. Tiens, vous parliez de dilaté tout à l'heure, ça c'est pour Bruno Le Maire. Mais parfois, il y a des phrases plus sombres, un peu mystérieuses. Ma tête est devenue lourde, ma vue s'est obscurcie. Ce pourrait être le paradis, ce pourrait être l'enfer, ou encore nous sommes tous des prisonniers ici, of our own device. On a beaucoup glosé hein, sur la signification de ces paroles, et il existe en effet plusieurs interprétations, et l'une d'elles serait une métaphore de l'industrie musicale de Los Angeles, une prison dorée en quelque sorte, dans laquelle entre un artiste pour ne plus jamais pouvoir en ressortir. Mais c'est finalement Don Henley, le chanteur, un batteur célèbre, guitariste aussi, membre fondateur d'Eagles, qui donnera les clés au public dans un entretien au San Francisco Chronicle du 26 novembre 1995, expliquant de façon faussement codée que la chanson, entre guillemets, capturait l'esprit de l'époque, qui était une période de grands excès dans cette région et dans le business de la musique en particulier. En réalité, Hotel California ne serait pas un hôtel, mais un établissement spécialisé dans le traitement des dépendances aux drogues courues par les rockstars de l'époque, et c'est tout de suite beaucoup moins glamour. Mais si on y fait attention à ce texte, à ces paroles, les addictions, en fait, elles sont omniprésentes, de la senteur tiède des colitas, hein, « warm smell of colitas », ce sont des petits bourgeons, en fait, qui sont des joints de marijuana au Mexique, ou encore le terme « stealing knives », les couteaux d'acier, qui fait référence aux aiguilles des seringues. Il y a aussi question d'addiction à l'alcool. « Please bring me my wine, we haven't had that spirit here since 1969 ». Donnez-moi mon vin, on n'a plus cet alcool depuis 1969. Alors, Don Felder, qui est le guitariste soliste et l'un des compositeurs hein, d'Hotel California, dont le titre initial était justement Mexican Reggae, ne croyait pas beaucoup, même pas du tout, au succès de la chanson. Je cite, « Hotel California dure 6 minutes, l'intro 1 minute, elle s'arrête au milieu sans batterie et vous avez un solo de 2 minutes à la fin. » C'est le format, le mauvais format absolu pour un single. Il déclara ça à Music Radar en 2012. Bah, tout faux. Hein. Et heureusement qu'il est meilleur guitariste que voyant. Pour poursuivre avec les anecdotes, mon cher Nicolas, il faut savoir qu'une adaptation cinématographique de la chanson avait été proposée au groupe par la productrice Julia Philippe. C'est pas n'importe qui. Hein. Taxi Driver, Rencontre du troisième type, quand même. Mais celle-ci a raconté dans un livre que les membres du groupe étaient assez difficiles à gérer, même un peu arrogants. Ouais. Et Rolling Stone affirme que Eagles, en réalité, n'était pas trop contrarié par l'abandon du projet, car pas vraiment convaincu par une version cinématographique. Et souvent, d'ailleurs,
les œuvres de rock portées au cinéma sont très souvent dénavées. Hein. On pense aux Who, on pense aux Beatles, entre autres. Enfin, et là c'est plus inattendu, le thème du piège présent dans la chanson a trouvé un écho en politique. Par exemple, dans le projet de loi de réforme financière, après la crise des subprimes aux États-Unis, les sénateurs Chris Dodd et Bob Corker ont expliqué que leur texte comprenait une disposition Hotel California pour Goldman Sachs et d'autres banques qui s'étaient converties en holding. Cette disposition signifiait que même en fait, si ces institutions se débarrassaient de leur société de portefeuille bancaire, elles resteraient soumises à la surveillance de la Fed, la Banque fédérale américaine, la Banque centrale américaine, ou pour reprendre le texte d'Hotel California, elle pourrait partir quand elle le voudrait, mais ne pourrait jamais repartir, en fait. Hotel California est, dans le même esprit, apparu chez les politiciens britanniques lorsque le Royaume-Uni a commencé à s'organiser pour quitter officiellement l'Union européenne en 2017. Certains plaidant pour un modèle aussi là, Hotel California, dans lequel le Royaume-Uni pourrait officiellement quitter l'Union européenne, mais resterait financièrement impliqué. Et la même année aux États-Unis, l'homme d'affaires William Browder a invoqué le texte lors de son témoignage sur la prétendue ingérence russe dans les procédures américaines devant le Sénat, transformée pour l'occasion en tribunal, comme le prévoit la Constitution américaine. Voyez, donc décidément, mon très cher Nicolas, Hotel California mène à tout, à condition d'en sortir, ce qui, nous le savons tous désormais, est tout à fait impossible. Alors, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face. Bon, ça c'est pour vous, dealer d'opinion, such a lovely face. Les femmes sont folles de vous, et je vous le dis encore, quand j'ai préparé cette chronique, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de photos que je publierai bientôt sur les réseaux, où on vous voit à Palavas les flots et vous êtes tout à fait reconnaissable. Vous aviez les cheveux beaucoup plus longs à l'époque. Ah, j'avais les cheveux, j'étais jeune. Et vous chantiez Hôtel Californien autour du feu de bois. J'étais jeune, mon cher Didier. En tout cas, merci pour cette chronique rafraîchissante rock'n'roll et cette belle chanson que vous avez pu nous épaissir. Je vous souhaite une excellente journée, mon cher Didier. En tout cas, très bientôt. Et on se voit, nous, vendredi prochain. Merci, cher Didier. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on passe au grand entretien. Vous le savez, de Tocsin Média. Merci. Vous êtes plus de 1100 actuellement sur cette émission. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, faire des dons, commenter, liker. Qui est partagé un maximum parce que maintenant c'est le moment d'avec Charles Gaffe qui est arrivé dans nos studios. Vous allez voir, on va faire vraiment une grosse cartographie, bien entendu, un point de situation de l'économie française. Merci beaucoup à tous. Allez, un peu d'autopromo et on passe à la grande interview de Charles Gaffe. En une semaine à peine, Tocsin a réuni plus de 30 000 euros de soutien auprès de 500 donateurs, réuni plus de 18 000 abonnés sur YouTube et 5 000 sur Twitter. Nos vidéos ont déjà été visionnées plus de 200 000 fois et Clémence Oudiakova a reçu à son micro Jacques Sapir, André Bercoff, Virginie Joron, Juan Asensio, Nicolas Battini, Thibaut de Montbrial, Michel Onfray, Daniel Herrero. C'est ça la naissance d'un média qui redonne le pouvoir au peuple. Retrouvez Clémence Oudiakova du lundi au jeudi de 8h à 10h et le vendredi l'excellent Nicolas Vidal. Reprenez avec eux le pouvoir. Retrouvez-nous sur tocsin-media.fr et soutenez-nous sur tocsin-media.fr/soutien. tocsin-media.fr/soutien. C'est bon, merci beaucoup chers amis d'être là avec nous ce matin. On arrive dans la dernière demi-heure et on va parler économie avec Charles Gaffe, bien entendu. On va lui demander ce qu'il en pense concrètement parce que la situation est de plus en plus catastrophique. Vous le savez, merci d'être très, très nombreux ce matin, vraiment très, très nombreux. Merci beaucoup de commenter. N'hésitez pas à poser vos questions à Charles Gaffe. Je les ai sous les yeux, je les regarde et je les pose si je peux avec grand plaisir. Et d'ailleurs, dites-nous d'où vous nous regardez. Ça me fera encore plus plaisir pour ceux qui me suivent sur une autre chaîne. Alors, on est parti. Charles Gaffe, Malo, est-ce que tu peux me mettre en relation avec Charles Gaffe, s'il te plaît? Ça doit être. Ah voilà, parce que en principe, je suis là. Oui, Charles, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, je vous présente, parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, Charles, hein, quand même, c'est gonflé. Vous êtes fondateur de l'Institut des Libertés, une chaîne YouTube qui cartonne, 269 000 abonnés, j'ai regardé ce matin, beaucoup d'émissions avec Emmanuel Gaffe, à qui on passe nos amitiés, et vous êtes économiste, cher Charles. Comment ça va, vous? Moi, ça peut aller, j'ai
J'ai passé un bon été à Avignon où j'ai perdu des kilos pour une fois à la place d'en gagner. Donc, je me sens un peu plus léger. Voilà. Bon, mais très bien. En tout cas, on vous sent en forme. On va parler de la situation économique. Je vous ai appelé parce que je me suis dit qu'il faut bien que Charles Gade nous en dise un peu plus, puisqu'on a quand même l'impression qu'on est dans un train qui est lancé à toute berzingue et on va rentrer dans un mur et tous ces gens nous disent que tout va bien. Et vous avez, je voudrais qu'on commence l'émission, Charles, avec l'indice Gilets jaunes que vous avez mis en place. Je le trouve extrêmement intéressant, cet indice Gilets jaunes. Vous pouvez nous l'expliquer, cet indice Gilets jaunes, de quelles informations on dispose et vous disposez pour le faire, pour l'avoir fait? Bah écoutez, l'idée est assez simple, c'est que quand j'avais pas un rond, que j'étais étudiant aux États-Unis ou en France, il y a quelques années, inutile de vous dire, puisque je viens d'avoir hier mes 80 balais. Et bon anniversaire, Charles, bon anniversaire. Toute l'équipe de Tocsin. Voilà. Je me suis rendu compte assez rapidement que mes dépenses étaient à peu près, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vos dépenses sont à peu près un tiers en énergie, mais non pour se balader, se chauffer, un tiers en bouffe et un tiers en loyer. Vous voyez, puis. Et puis, il n'y a pas de quatrième tiers, si j'ose dire. Vous vivez avec très peu. Enfin, c'est comme ça. Ouais. Et donc, la plupart des gens qui sont dans les couches basses ou pauvres de la population ont un budget qui sont un tiers. Et ce qu'il y a d'effrayant, c'est que... tiens, il y a un écho dans le... La régie va s'en occuper immédiatement. Il y a un écho. Donc, ce qui se passe, c'est assez difficile, c'est que quand vous suivez une politique inflationniste comme on l'a fait, les prix se mettent à monter. Bon, ça, on l'a bien vu, on s'y attendait, ça s'est produit. Mais ce qui se passe, c'est que les trois prix qui montent le plus, pour des raisons que je pourrais expliquer, c'est toujours l'énergie, la nourriture et les loyers. Parce qu'ils sont très inélastiques par rapport au prix, donc on ne peut pas augmenter l'offre rapidement, etc. L'inflationniste est toujours... tape toujours sur les plus petits, le plus fort. Si vous gagnez beaucoup d'argent, dans le fond, ces trois postes, l'énergie, la bouffe et le loyer, ça ne vous prend pas une grosse partie de votre revenu. Mais si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent... Donc, j'ai décidé de faire un indice des gens qui étaient à la limite, vous voulez, le frigidaire est vide le 20 du mois. Quoi. Ce que je veux dire, c'est les... Et pour ça, j'ai pris les indices de l'INSEE, puisque l'INSEE fait un indice des prix, et puis elle vous donne, à l'intérieur de cet indice des prix, elle vous donne un indice du prix de l'alimentation, un indice des loyers, un indice de l'énergie. Quoi. Donc j'ai pris simplement ces trois indices, j'en fais une moyenne arithmétique, qui est maintenue à un tiers tout le temps, et je regarde l'évolution. Et donc ça me montre quelque chose d'affreux, c'est que quand le pouvoir vous dit que l'inflation est à 4, 5, j'en sais rien... la réalité, c'est que pour les pauvres gens, les gens en dessous, tout en bas, c'est plutôt à 8 ou à 9. Et donc, eux, ils en prennent beaucoup plus plein la tête. C'est-à-dire que les pauvres gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à vivre avec le produit de leur travail, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en France, c'est depuis un certain nombre d'années, on voit apparaître des gens qui travaillent et qui sont pauvres. Autrefois, si vous voulez, c'était ceux qui ne travaillaient pas qui étaient pauvres. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui font bien tout ce qu'on leur demande, qui vont au boulot, qui se lèvent, etc., et qui ne réussissent pas à s'en sortir. Et ça, c'est une nouveauté. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que les politiques subies en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, depuis des années, et je ne suis pas, le moins qu'on peut dire, c'est que je ne suis pas vraiment un type de gauche, quoi, mais ça tue les petits gens et ça favorise les riches. Donc, une politique... Que disait John Rawls, qui était un grand philosophe américain, qui était professeur à Harvard, il est mort il y a une vingtaine d'années, disait une politique économique est juste, puisqu'il réfléchissait sur la notion de justice, est juste si, quand l'activité économique monte, quand le monde s'enrichit, les pauvres s'enrichissent aussi. Mais si vous êtes dans un monde où les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent, ça c'est un monde qui est complètement injuste et insoutenable. Or, c'est là où on est. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Et c'est très inquiétant parce que... Mais Charles, ce qui est intéressant dans le graphique... Oui, je vous disais, Charles, ce qui est intéressant dans votre graphique, c'est qu'on se rend compte que la courbe, ça fait peur quand même, parce que c'est effrayant tout de même. Oui, alors, là si vous voulez... La courbe rouge, c'est la courbe des... Et ça, c'est le moment où l'inflation est montée très fortement, puisqu'on avait fait une hausse des prix. On avait fait une hausse de la masse monétaire terrible dans les années qui précédaient. Comme Mme Lagarde dit il y a un an, par exemple, que personne ne s'attendait à une hausse des prix,
Écoutez, la masse monétaire de la zone euro avait quadruplé depuis 4 ans à peu près. Donc on avait imprimé de l'argent comme des fous. Alors, vous et moi, on sait très bien que si on imprime de l'argent comme des fous, en général, les prix montent. Quoi. Donc quand la Banque Centrale Européenne me dit qu'elle a été surprise par l'inflation, ou ils sont complètement incompétents, ou ils se foutent de ma gueule. Quoi. Les deux ne sont pas exclus d'ailleurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est aussi, regardez la courbe noire en bas, c'est dans le flux, le revenu disponible médian en France, déflaté non pas par l'indice des prix officiels, mais par cet indice des prix des gilets jaunes. Donc ça montre que les classes les plus défavorisées en France ont eu une baisse de leur niveau de vie, à peu près d'un bon 10% depuis l'arrivée de l'euro. Oui, ce qui ne s'était jamais produit depuis 1945. Donc, il y a eu une espèce de rupture dans la politique économique française qui, à partir des années 2000, n'a plus été faite par la France, mais a été faite par Bruxelles et par la Banque Centrale Européenne. Et ça s'est fait au détriment des petits gens et au profit de ceux qui n'ont pas de problème de fin de mois. Et ce n'est pas un jugement, ce que je porte, c'est une réalité. C'est-à-dire, je dis, c'est un fait. C'est un fait, c'est pas... C'est pas... Je voudrais qu'on parle, Charles, aussi de ça, parce que vous avez raison, on a commencé à en parler. On a cette inflation alimentaire qui est absolument déraisonnable. On a ce phénomène de déconsommation. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, de ce phénomène de déconsommation. Est-ce que c'est le terme approprié, déconsommation? Moi, j'ai l'impression qu'il faut le remplacer par pauvreté, mais bon, après, chacun... Évidemment qu'il faut le remplacer par pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les gens qui ont un tiers, et à la fin du mois, il ne reste plus rien. Hein. Qui était mon cas, encore une fois, il y a... à peu près 60 ans. Si d'un seul coup, vous avez une hausse violente des loyers, de l'énergie ou de la bouffe, ou des trois à la fois, mettons qu'il vous restait peut-être 20 euros à la fin du mois pour vous acheter quelque chose qui vous plaisait, je sais pas, une place au cinéma avec votre femme ou j'en sais rien, là, vous les avez plus. Donc, la vie est supportable en quelque sorte si, à la fin du mois, il vous reste un petit peu d'argent pour... faire des trucs qui ne sont pas vraiment nécessaires et des trucs qui sont agréables. Quoi. Là, il est certain que ce n'est plus le cas. Mais alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme cette hausse des prix attaque des gens qui sont déjà à l'os, ils sont obligés de couper sur des tas de choses. Alors, ce que dit le type de Carrefour, le président de Carrefour, là, il dit, à la place d'avoir 8 articles dans le panier en moyenne, ils n'en ont plus que 5, et ils ont coupé toute une série de choses qui étaient les déodorants... ça ne va pas aider dans le métro, mais enfin... mais ce que vous dites est tout à fait exact, c'est un signe évident d'appauvrissement des plus pauvres. C'est-à-dire... Et pourtant, Bruno Le Maire vous dit, Bruno Le Maire vous dit qu'il récuse l'idée qu'il y a un appauvrissement généralisé de la population. Quand vous l'entendez dire ça, Bruno Le Maire, on met les mains sur la tête avec lui. Bruno Le Maire, si vous voulez, le pauvre garçon, je crois qu'il n'est pas capable de faire une règle de trois, ni de savoir combien il y a d'hectares. Il y a d'acres dans un hectare, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a sans doute fait normal supplétre. Dans les milieux qu'il fréquente, il n'y a peut-être pas d'appauvrissement de la population. Mais je ne l'ai pas beaucoup vu dans les quartiers populaires. Hein. Ce brave Le Maire, c'est un produit... Vous savez, il y a quelque chose qui se passe en France qui m'inquiète beaucoup, dont j'ai beaucoup parlé. C'est que la quasi-totalité de notre classe dirigeante... est aujourd'hui bien de 30 genres d'un enfant à Paris. C'est-à-dire qu'autrefois, quand j'étais jeune, il y avait des gars qui arrivaient de Gascogne, de Béziers, etc., que des types pas plus mal que d'autres. Là, aujourd'hui, si vous voulez, toute notre classe dirigeante, elle fait 30 genres d'un enfant à Paris, et donc il y a une espèce de consanguinité. Donc je suis sûr que les gens qui donnent leurs enfants à ces 30 genres d'un enfant, eux, ils n'ont pas de problème de faim, moi. Et donc, comme c'est que les seuls que le maire voit... donc, ils doivent tous se congratuler des succès de l'économie française. Mais il ne faut pas se foutre du monde. Quoi. Mais l'inflation alimentaire, Charles, effectivement, c'est gravissime. C'est une véritable régression, parce qu'on parle de pauvreté, mais c'est une régression. À quoi ça peut nous amener, selon vous, cette chute brutale de cette ce volume de consommation? Vous savez, les récessions et les pertes d'activité économique, ça commence souvent... avec les plus pauvres qui s'appauvrissent. Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai passé mes vacances à Avignon. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, dans une zone où il y a pas mal d'Auchan, de Carrefour, etc. Il y a 10-15 ans, quand j'allais faire les courses, qui ne m'arrive pas très souvent, enfin ça m'arrive de temps en temps, j'allais faire les courses dans ces trucs,
par exemple, dans le domaine des vins, de la viande, vous aviez des produits quand même de qualité moyenne ou supérieure qui étaient là, qui étaient disponibles. Aujourd'hui, quand je vais faire le marché, il n'y a plus de bons vins. Vous savez, il n'y a que des gros rouges qui tâchent, quoi. Et en ce qui concerne la viande, il n'y a plus que des saucisses. Donc, ça veut dire que vous avez une espèce de baisse de la... les gens, bon, ben, s'ils ne peuvent plus acheter un steak, ils achètent des saucisses, quoi. Et on le voit. Et donc, ceux qui font de la viande, des paysans, ben, ils se suicident, ils se mettent à crever de faim. Donc, la pauvreté, c'est comme quelque chose qui se développe, si vous voulez, comme un petit peu comme une épidémie, quoi. Ça attrape d'abord les plus pauvres, et puis ça font faillite ceux qui servent les plus pauvres, et puis ensuite, ben, ça touche la classe moyenne, et ça monte doucement, 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 comme ça. Et ben, il me semble qu'on voit très bien la tâche de la pauvreté, l'épidémie, se développer doucement en France. Ben, il suffit de regarder, et on le voit, quoi. C'est effrayant. Mais oui, mais c'est... Parce que là, les derniers... Ouais. Oui. Vous avez lu, j'imagine que vous avez jeté un coup d'œil, j'en suis même sûr, et je sais que vous avez parlé d'ailleurs à l'Institut des Libertés avec votre fille Emmanuelle sur une émission que je vous recommande, chers amis, d'aller écouter, bien entendu. On s'est rendu le rapport du Secours Populaire donne des chiffres effrayants. Effrayant. Un Français sur deux qui ne peut plus te soigner, 72% des Français qui indiquent qu'ils ne peuvent plus acheter de viande ou de façon très occasionnelle. Là, on est vraiment sorti de la classe paupérisée, vous l'avez dit. Pour toucher la classe moyenne, voire un peu supérieure. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui commencent. Mais c'est fulgurant. J'ai l'impression que c'est fulgurant. Vous partagez cette analyse, Charles, ou pas ? C'est pas fulgurant. Ce qui commence à être vu, c'est que ben, pendant un an ou deux, on nous a filé des subventions dans tous les sens, qui étaient payées par l'endettement. Oui. Et donc, ben, on a essayé de boucher des trous. Mais la seule façon pour les gens de s'en sortir, c'est que leur travail rapporte à leur patron plus que ne coûte. Or, c'est plus le cas. Moi, on a vu les statistiques des PME qui sont en train de sauter en France. C'est monstrueux, quoi. Ça, il y a une hausse absolument gigantesque. Mais alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on avait les gilets jaunes ont pété quand on a eu la hausse du prix de l'énergie décidée par le Premier ministre de l'époque, et également quand on a foutu la limite de Paris, qui sont dans ce qu'on appelle les zones périphériques. Ben, eux, ils ne peuvent pas se déplacer sans avoir leur voiture. Et donc, on les empêche, on les force à rester encore plus longtemps dans leur voiture et à faire payer plus pour ce transport. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ce que la politique française est en train de faire, avec ces histoires d'écologie, plus d'appauvrissement et tout, on est en train de retourner pour transformer la classe pauvre en serf. Vous savez, comme autrefois, qui était attaché à la glèbe. Ils n'avaient pas le droit de bouger. Le paysan, il n'est pas propriétaire de sa terre. C'est la... C'est quelle coopérative qui est propriétaire, etc. Donc on voit très bien que ces gens-là, dans le fond, les gens de gauche, les écolos, détestent la liberté du peuple au point tel qu'ils souhaitent que le peuple reste attaché à la terre, quoi. C'est, qu'il ne puisse plus bouger, qu'il n'ait plus le droit de prendre sa voiture, qu'il n'ait plus le droit de fumer ses clopes, qu'il ne puisse plus mettre du diesel dans sa voiture qu'il y a 10 ans. Je vous donne un exemple, c'est qu'à Toulon, par exemple, il y a un aéroport, bon, très bien, il y a un très bon aéroport. Mais il est dans une zone urbaine. Eh ben, l'Europe a prévu que d'ici 2 ans, si vous aviez une voiture diesel un peu vieille, vous ne pourriez pas rentrer dans ces zones. C'est-à-dire que les types de la région, les paysans, les gens, ils ne pourront pas venir prendre l'avion. On leur interdit de prendre l'avion parce qu'ils n'ont pas la bonne bagnole. Vous imaginez ce que je veux dire ? Ça veut dire que c'est le gars, on se retrouve sous l'ancien régime, où si vous n'aviez pas des talons rouges, vous n'aviez pas le droit d'aller à la cour, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est de la haine envers le peuple. Eh bien, d'ailleurs, vous me donnez la perche, vous me tendez la perche, Charles Gaffe, merci d'être là avec nous dans ce grand entretien. Je vous remercie d'être avec nous en studio. N'hésitez pas à partager, à liker cette émission, les vidéos. Vous êtes très, très nombreux, hein, plus de 1200, 1300 actuellement. Beaucoup, beaucoup de commentaires pour vous, Charles Gaffe. D'ailleurs, une question vous a été posée. Est-ce que vous aimeriez que Charles Gaffe soit ministre de l'économie ? Je crois qu'on va nous donner les chiffres en régie, mais je pense que ça doit être assez haut en termes de oui. Je vais vous faire écouter un sonore. C'est un auditeur sur RMC qui a appelé Estelle Denis en début de semaine. Charles, il y en a pour une minute, j'aimerais que vous réagissiez là-dessus. Malo, si tu peux nous envoyer le sonore, s'il te plaît, merci. Maintenant, je pense qu'il est grand temps de se rebeller. Oui, effectivement. L'électricité, quand on voit qu'en début 2024, va reprendre entre 10 et 20%, que les énergies explosent, que quand vous faites vos courses, toutes ces factures d'énergie sont encore répercutées sur vos courses. Et comme vous avez de la TVA, vous avez des taxes, comme la TICPE sur le carburant, tout ça, quand le prix augmente mécaniquement, la taxe augmente. Oui. Donc, l'inflation alimente l'inflation. Et bien, à un moment, il va falloir arrêter, hein. Parce que je vais plus aller bosser, ça sert à quoi ?
Si c'est pour payer ma facture juste pour faire le plein de ma bagnole, bah, je vais faire comme tout le monde, je vais arrêter, et puis voilà, ça sera très bien. Parce qu'à un moment, Bruno Le Maire, là, il joue la montre, tous les jours, il nous dit que ça va aller mieux, que machin. Ça fait un an et demi. En attendant, quand vous faites le plein, que vous mettez 100 balles, il y a quand même 66 euros qui vont à l'État. Hein. Donc ils sont bien contents de jouer la montre. Hein. Ils sont contents, ils remplissent les caisses. Hein. Il va falloir qu'on va leur payer le quoi qu'il en coûte de leur McKinsey qui leur a conseillé de nous confiner. Hein. Donc moi, je pense que stop. On arrête, parce que moi j'en ai marre. Mais je pense pas que c'est en envahissant les préfectures. Hein. Moi je dis que nos feuilles d'impôt, on ne devrait pas les rendre. On ne devrait pas payer nos factures ni d'eau, ni d'électricité. On devrait tous arrêter. Et puis on les prend à la gorge comme ils nous prennent eux. Et puis il va falloir se réveiller, quoi, parce que je pense qu'il est grand temps de se réveiller. Je pense qu'il faut se réveiller même avant de s'éteindre. Hein. Charles, vous entendez cet auditeur qui dit qu'il faut les prendre à la gorge. C'est fort quand même, hein. Il faut les prendre à la gorge, il faut arrêter de payer. Oui, mais voilà, c'est le vrai problème, si vous voulez. Alors, je peux vous donner un chiffre qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les rentrées fiscales de l'État, en prenant tout, dans les impôts, plus les taxes, plus tout ce que vous pouvez imaginer, la pression fiscale en France a augmenté de 7% d'une année sur l'autre. De 7%. Alors, un moment où tout le monde est en train de s'appauvrir, comme on vient d'essayer de le montrer. Donc, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Quoi. C'est, donc, les seuls, comme disait mon vieil ami Milton Friedman, il disait, si vous vivez pauvrement, c'est que les gens à Washington vivent trop bien. Et je crois qu'on peut le traduire en français. Si vous vivez mal dans votre coin de France, c'est que probablement les gens à Paris vivent beaucoup trop bien. Et je vous assure que toute cette classe dirigeante, elle n'est pas dans la misère. Hein. Vous avez un nombre de hautes autorités, vous avez un nombre de trucs comme ça, de grands conseils. Vous avez des gars qui ont des voitures de fonction, 2 ou 3 salaires ou 4 ou 5. Et là, il n'y a aucune coupe. Donc, ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est que comme nos déficits budgétaires ne sont pas résolus, on pense qu'à augmenter les impôts, mais il faudrait peut-être un jour faire un petit audit des dépenses de l'État et savoir où va notre pognon. Parce que quand vous regardez la France aujourd'hui, rien ne marche. La police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, l'éducation nationale ne marche pas. Enfin, dites-moi quelque chose qui marche et j'en serais content. On nous en a jamais pris autant. Donc la question, c'est mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric? Et il n'y a pas une audite, il n'y a pas un audit des dépenses de l'État qui me dit, vous savez, vous avez Charles Pratt qui a fait ses bouquins sur la fraude. Il dit qu'il y a 73 milliards d'euros de fraude à la sécurité sociale. Il y a 5 ou 6 millions de cartes vertes de plus qu'il n'y a de population. Donc, on pourrait peut-être commencer à les regarder là, qui vole l'argent des Français, puis on pourrait leur rendre ces 73 milliards, ça leur ferait du bien. Donc, il y a une espèce de mauvaise gestion de l'État qui atteint des niveaux, mais grotesques. C'est du vol à la tire. On est gouverné par des bandits. C'est la mafia qui nous gouverne. Donc, ça pose la question de saint Thomas d'Aquin. Si vous vivez sous un tyran, à partir de quel moment est-il légitime de commettre un tyrannicide, quoi? Mais Charles, pourtant, ils sont quand même assez pingres. Ils nous ont tous expliqué avec beaucoup de difficultés que la réforme des retraites, il fallait la faire parce que sinon, ça allait être terrible. Et pourtant, vous avez cité Charles Pratt, si vous avez raison, notamment sur la fraude à la sécurité sociale. Ça nous coûte des milliards. Il y a eu le rapport des contribuables associés avec Jean-Paul Gourévy sur le prix social de l'immigration. Mais ils sont pingres avec des choses, mais ils ne sont pas pingres avec d'autres choses. Quoi. Où va notre pognon? Effectivement, c'est compliqué à répondre à la question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui ont toujours accès au pognon, puis d'autres qui n'y ont jamais. Quoi. Et en général, ceux qui payent, ils n'y ont pas accès. Quoi. Si vous ne payez rien, si vous êtes un bénéficiaire des subventions, vous ne vivez pas plus mal qu'un autre. Quoi. Mais moi, je connais aussi une vallée pyrénéenne là, du côté de Tarbes, où sont officiellement 20 ou 25% de chômeurs, et où pas un des commerçants locaux ne peut trouver quelqu'un pour l'aider. Parce que tous les gens font le calcul qu'ils gagnent plus d'argent s'ils restent à la maison, qui touchent des subventions, qui font des enfants à une femme et qui ne sont pas mariés. Et donc, vous avez toute une série de subventions qui s'accumulent, ce qui fait que le type, il n'a plus besoin d'aller travailler. Quoi. Donc, c'est ce que disait encore une fois Milton Friedman. Il disait, si vous payez les gens à ne rien foutre
Et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Quoi. C'est, Donc on est dans un système oui. où toutes les incitations sont fausses. À la place de travailler, c'est de... À la place d'être un père de famille, on vous dit c'est pas la peine d'épouser la fille parce que comme ça, vous aurez des subventions, etc. Donc il y a tout est pour vous faire de vous un être avili et dépendant des subventions. C'est terrible. Alors, je voudrais qu'on parle du prix de l'essence et des carburants parce que ce matin, en préparant l'émission, comme je savais que vous connaissez pas par cœur, j'ai regardé le cours du pétrole Brent en dollars qui dépasse les 94 dollars. Oui. J'ai pas l'impression qu'on va avoir une petite baisse là, Charles. Non, je pense que ça va continuer à monter malgré les bonnes âmes de nos distributeurs qui essayent de plafonner un 99 pour, comme Total notamment. Ben oui, mais si vous voulez, le problème, je crois que je vous dis des bêtises, mais je crois que Total doit être responsable de 10% du prix et l'État de 90%, voilà. Quelque chose comme ça. Donc, oui. Il ne faut pas engueuler Total, il faut engueuler l'État. Oui. Mais je vais vous faire une petite analyse assez simple, là, mais je ne sais pas si elle est valable. Mais vous vous foutez dans la peau de Poutine, mettons qu'on n'ait pas été très gentil avec la Russie depuis quelque temps, en Europe. Hein, on a suivi les ordres américains, donc on suit. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Ben, vous vous mettez d'accord avec l'Arabie Saoudite et vous vous servez du pétrole pour le faire monter pendant l'hiver. Et à ce moment-là, des gens qui ont des élections, je ne sais pas, en Angleterre, aux États-Unis et tout, les types, ils ne vont pas être amusés. Enfin, toute ma classe dont vous parlez, les gens qui ont le moins d'argent. Donc, moi, je crois que tout Poutine est en train d'instrumenter le prix du pétrole pour faire sauter l'Europe. Parce que lui, il n'a pas besoin d'envoyer des chars. Il suffit qu'il fasse monter le prix du pétrole avec l'Arabie Saoudite. Et puis quand le prix du pétrole est à 130, l'Allemagne est en faillite et nous aussi. Quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est bien joli de jouer les héros sur l'écologie, mais quand vous n'avez pas d'énergie de substitution, toute notre énergie, ou la moitié ou les deux tiers, venait de Russie. À partir du moment où on se fâche avec les Russes, ben, on est obligé d'acheter le pétrole, non plus avec des contrats à long terme et en euros, mais on les achète sur le marché spot, c'est-à-dire au comptant et avec des dollars qu'on n'a pas, ben, si l'hiver est froid, la perte de pouvoir d'achat des petites gens dont je parlais au début, ça va être monstrueux. Donc, ce qui me paraît stupéfiant, c'est qu'ils suivent une politique économique stupide et que cette politique économique stupide, ils en doublent la pénibilité en suivant une politique étrangère encore plus stupide. Oui. Vous dites, mais ils sont idiots, quoi. Je veux bien qu'on... En même temps, c'est Bruno Le Maire qui nous disait qu'il voulait mettre l'économie russe à genoux. Hein. On ne va pas le répéter à chaque fois, mais là, on avait vu qu'il n'y avait quand même pas une fulgurance d'intelligence qui dépassait la stratosphère. Hein. Oui, alors vous savez pourquoi il l'a dit ? Parce que ça, personne ne le dit jamais. Parce qu'on avait fait le coup à la Grèce pendant la crise européenne. On avait coupé tous les moyens de paiement à la Grèce, et la Grèce est obligée de se coucher en 5 minutes. Et donc, tous ces imbéciles, ils ont coupé, quand il y a eu l'Ukraine envahie par la Russie, ils ont coupé tous les moyens de paiement à la Russie. Ça s'appelle SWIFT, c'est le système de paiement international. Et ils se sont dit, la Russie va se coucher à toute allure, parce que, ben, sauf que les Russes avaient vu arriver le coup, qu'ils avaient préparé des moyens de paiement alternatifs depuis 5 ans, et qu'ils ont mis en place, et que ça, et que rien ne s'est passé. Donc, ce brave Le Maire n'a fait que lui dire ce que son inspecteur des finances l'avait dit, qu'on allait couper SWIFT et que la Russie allait se coucher. Mais, sauf que l'inspecteur des finances ne savait pas que la Russie travaillait depuis 5 ans sur des moyens de paiement alternatifs et que les Russes sont des joueurs d'échecs et que nous, on est des joueurs de belote, quoi. Donc on s'est fait avoir comme des fous. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont totalement surestimé leur pouvoir financier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le monopole sur la circulation d'argent qu'avait l'Occident, on l'a perdu. C'est-à-dire que ce monopole, nous, l'Occident a dominé le monde depuis des siècles, 8 siècles à peu près, parce qu'on savait dématérialiser l'argent et le faire passer d'un coin à un autre, si vous voulez. C'était les grands ordres monastiques qui avaient monté le coup au départ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ben, là, cette circulation d'argent, on est en train de la perdre. On a perdu le contrôle des flux financiers. Vous ne vous rendez pas compte ? Mais c'est gigantesque. Ça veut dire que on se tire des balles dans la tête les unes après les autres, et quand si on a peur de rater, on s'en tire une de plus. Quoi. C'est stupéfiant d'incompétence. Bon, elle nous a dit 10% de plus en février, c'était déjà annoncé. Et Bruno Le Maire, de suite, a dit non, il est exclu d'avoir une hausse. Là aussi, hein, sur la politique énergétique, d'électricité, ils sont quand même pas bons du tout, pour ne pas dire autre chose. Ah, mais ils ont réussi un coup incroyable, c'est que...
Vous savez, la France avait une électricité d'énergie de provenance nucléaire grâce aux efforts de Gaulle, Pompidou et Giscard. Ça remonte loin. Hein. Et donc, ils ont, d'abord, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont forcé EDF à vendre une partie de cette électricité à prix coûtant à des gens qui n'en produisaient pas. Donc, ils ont forcé l'EDF à subventionner leurs concurrents. Puis, quand les concurrents ont sauté parce que le prix de l'énergie est monté, c'est EDF qui a dû prendre des pertes des concurrents. Donc EDF est quasiment faillite. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a, pour faire plaisir à l'Allemagne, on a indexé le prix de l'électricité en France, croyez-le ou pas, sur le prix du gaz. Mais on n'utilise pas de gaz pour faire de l'électricité en France. On ne l'utilise pas. Donc on a fait ça pour faire plaisir à l'Allemagne. Donc si, comme je le pense, Poutine fait monter le prix du gaz et de l'électricité, l'électricité va monter comme une fusée en France, alors que les coûts de faire de l'électricité ne montent pas du tout. Ça, c'est parce qu'il fallait faire un marché européen de l'électricité, et comme l'électricité, qu'on appelle une usine, qu'on ouvre simplement quand il y a une pénurie d'électricité, c'est-à-dire le gaz, donc on avait à brancher le... Mais ça, ça marche pour l'Allemagne, mais ça ne marche pas pour nous. Donc, on a abandonné les outils, on les a même donnés littéralement à l'Allemagne, ces outils qui avaient été bâtis par De Gaulle, Pompidou et Giscard, pour assurer notre indépendance énergétique, on les a même pas vendus, on les a donnés à l'Allemagne pour qu'elle continue à nous tailler des croupières industrielles. Mais encore une fois, c'est encore une balle de plus dans la tête. Quoi. Mais honnêtement, moi, j'en arrive à me demander s'il ne devrait pas y avoir une cour de justice pour haute trahison, parce que le nombre de trucs qu'ils ont fait comme ça, qui ont trahi les intérêts profonds de la France pour plaire je ne sais qui à Bruxelles ou à Francfort, ben, ça s'appelle de la haute trahison. Quoi. Je ne sais pas, moi, il me semble que... mais si on continue à gérer la France contre les intérêts des Français, celui qui parlait dans le micro là, tout à l'heure, il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. C'est une histoire de fou. Ce pays est gouverné par des gens qui détestent le peuple. Mais Charles, pourquoi, selon vous, pourquoi ils font ça ? Pourquoi cette trahison de toujours vouloir se soumettre à l'Allemagne ? Il n'y a que deux possibilités. Ils ont une espèce d'idéologie qui dit qu'il faut tuer la nation française pour faire naître la nation européenne. Bon. Mmh. Ou bien l'Allemagne sait des choses sur eux, ils sont obligés de le faire. Oui. L'Allemagne ou la CIA, hein, c'est pareil. Je ne sais pas, mais moi, où ils sont vendus à une idéologie, où ils sont vendus à une... parce que quelqu'un a quelque chose sur eux, quoi. Je ne sais pas. Parce que moi, comme vous, on me pose des questions. Mais on se les poserait à moi, hein. On se les poserait à moi, hein, vu la politique économique. Charles, est-ce que vous avez encore 5 minutes pour terminer l'émission ? J'ai tout le temps que vous voulez. Vous avez encore 5 minutes. Formidable. On est très nombreux. Alors, je vais faire un petit promo. Vous êtes très, très nombreux. Vous êtes à près de 1200, 300 en ce moment sur le live. Merci beaucoup sur l'émission. Merci. C'est le grand entretien de Charles Gave. On continue à discuter de l'économie, de trahison, de prix, de gilets jaunes aussi, bien entendu. On parle de tout ça. N'hésitez pas à liker. Mettez des pouces, s'il vous plaît. Faites-moi monter ces pouces avant la fin de l'émission de manière à ce qu'on puisse, bien entendu, faire monter les vues, les pouces, l'algorithme qui vont monter et la vidéo sera encore plus vue. Merci. On continue. Merci Charles Gave d'être avec nous et encore bon anniversaire, c'était le vôtre hier. Oui. Vous avez 26 ans depuis hier, Charles Gave, c'est formidable, vous rajeunissez tous les jours. Voilà. une question aussi, je voulais parler d'immobilier, Charles, avec vous. Oui. L'immobilier, c'est fermeture de promoteurs, de courtiers, on est en train de se casser la gueule, mais correctement là. Comment vous sentez la situation, vous, concrètement ? On va vers un crack, parce que c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on va vers un crack, voilà. Alors, l'immobilier, c'est un marché un peu spécial, si vous voulez. C'est que quand ça monte, il y a des volumes énormes, etc. Les transactions sont importantes. Mais moi, toutes les baisses immobilières que j'ai vues se font sans aucun volume. C'est-à-dire que l'immobilier a cette caractéristique. Si vous voulez vous en débarrasser, il faut le vendre trop tôt. Parce que si vous attendez pour le vendre... Ensuite, quand vous arrivez en haut, il passe de 100 à 40 sans qu'il y ait une transaction. Donc, vous ne pouvez pas vendre.
Donc, pourquoi l'immobilier va-t-il se péter la gueule? Ben, pour une raison très simple, c'est que si vous avez un appauvrissement de la population en même temps qu'une hausse des taux, ben, la capacité d'acheter de l'immobilier baisse au carré, si j'ose dire. Or, on a un appauvrissement de la population, comme je viens de le dire, une hausse des taux, et je ne sais pas trop comment vous pourriez vous attendre à ce que l'immobilier tienne à peu près. Ouais. Donc oui, c'est une... Et alors, ce qui va se passer, comme toujours, c'est qu'on va rentrer, pour les promoteurs, etc., dans une crise de liquidité, on appelle ça. C'est-à-dire que ben, vous allez voir votre banque et elle vous dit, ben non, je ne vous prête pas d'argent parce que vous ne réussirez pas à le vendre, votre immobilier, donc je vais mettre l'immobilier en vente. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, si vous arrivez, vous, avec du cash, mettons que vous avez été un financier averti, ben, si vous allez voir un de ces gars qui est en train de sauter et vous lui proposez 20% pour lui sortir 20% de la valeur de ce qu'il a fait, et vous pourrez l'acheter parce qu'il serait content de toucher 20% peut-être pour se dédouaner par ailleurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces crises de liquidité, c'est marqué par des faillites de gars dont vous pouvez racheter ensuite, si vous êtes un type intéressé, les actifs pour quasiment rien. Mais ça fait l'affaire de qui ? Ben, ça fait l'affaire des grandes compagnies d'assurance, des banques, etc., qui, du coup, peuvent acheter des trucs à 20% de leur valeur. Donc, encore une fois, cette politique économique, on voit très bien qu'elle favorise ceux qui ont déjà des actifs et qu'elle tue ceux qui sont en train d'essayer de s'en constituer. Donc, ouais. Encore une fois, c'est une politique favorable aux riches et défavorable à la classe moyenne montante. C'est monstrueux. C'est le contraire de ce qu'est le capitalisme. Normalement, c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire les copains et les coquins qui prennent le pouvoir et qui gouvernent le pays pour s'en mettre plein les poches. Ça voudrait dire, Charles, que la classe moyenne, bientôt, c'est tous locataires? Tous locataires, tous précaires? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez employé le terme de serre, de facialisation, ouais. C'est ça? Tous locataires demain matin? Ben oui, si vous avez de la dette, vous allez être dans un... Vous avez acheté un appartement il y a 2 ans à 100. Bon, vous avez emprunté à 1 ou à 2, ça monte à 4 ou à 5. Et puis en plus, votre appartement, il vaut plus 100, il vaut 80. Donc la banque vient vous voir en disant, dites donc, vous avez mis que 20% en fonds propres, il faut en remettre. Donc ils vont vous le vendre. Alors ça ne touchera pas les gars qui ont acheté leur appartement ou qui ont reçu leur appartement de leur maman ou de leur grand-mère. Moi, j'avais un ami, j'étais jeune, à Paris, qui avait épousé une fille, il était très brillant, le type qui avait fait Sciences Po, qui était analyste financier dans une grande banque, enfin, en plus très joli. Et puis un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai épousé cette fille, elle est très très bien, je suis très content. Mais j'aurais beaucoup mieux fait d'épouser une fille qui avait un appartement, parce que c'était beaucoup plus rentable. Donc, vous vous rendez compte ce qu'il disait? C'est qu'il disait, vous avez épousé une fille qui a un appartement, un endroit agréable, après impôt, c'est beaucoup mieux que si elle gagnait des 100 et des 1000, quoi. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis, c'est-à-dire que ça favorise les rentiers au détriment de ceux qui ne prennent pas de risques, qui prennent des risques, qui ont fait des études, ou j'en sais rien. C'est un monde parfaitement injuste qu'on est en train de nous bâtir. Mais parfaitement injuste, c'est monstrueux. Et ça... Donc les mondes injustes durent rarement très longtemps. En général, ça se termine par... On pourrait avoir en retour quand même le sonore qu'on a entendu tout à l'heure, Charles, avec cet auditeur sur RMC, ouais. D'ailleurs, qui disait au début du sonore que c'est quelqu'un qui gagne à peu près 3 000 euros par mois, donc c'est quand même quelqu'un qui est pauvre. On le sent exaspéré, et des vidéos comme ça, on en voit de plus en plus. On a l'impression de vivre un début gilet jaune. Là, il y a des gens qui ne vont plus le supporter au moment donné, Charles, non? Oui, mais le problème, c'est comment... Il n'y a pas de parti politique qui s'essaye à l'organiser, si vous voulez. On a vu dans les gilets jaunes, au début, ils ont été très sympas. Oui. Et puis, il y a des gars qui sont arrivés, qui étaient envoyés par le gouvernement, des Blackbeard ou je ne sais pas quoi, et ils ont rapidement dérapé. Et... Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas, en France, de parti... des petites gens, si vous voulez. La gauche a trahi le peuple. La droite a trahi la nation. La gauche a trahi le peuple. Et du coup, le peuple se retrouve démuni. Ouais. Il ne sait pas à qui parler. Moi, je voudrais bien aider les gens. S'il y avait des représentants du peuple, j'irais les aider dans la mesure de mes moyens. Mais j'en trouve pas. Ils sont tous... ils font tous partie de cette classe qui a trahi et le peuple et la nation. Et donc, j'ai un gros problème, c'est que je n'ai pas de représentation politique
que j'aimerais servir. J'en ai pas, je sais pas qui choisir. C'est intéressant ce que vous dites finalement, vous, aujourd'hui, dans le monde politique qui s'offre à nous, et vous, voilà, vous ne pouvez pas à un moment donné aller aider, pour reprendre vos termes, un parti politique, parce que personne ne correspond à ce que vous estimez être valable pour redresser du moins en partie ce pays. Quoi. Mais c'est-à-dire que pour redresser ce pays, il n'y a pas 36 solutions. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Donc il faut passer à un système de, par exemple, démocratie directe, comme en Suisse. Il faut que le peuple, pour dire, par exemple, je ne sais pas, une mesure qui devrait être prise, c'est que les fonctionnaires sont inéligibles. Et par exemple, ils ont le droit d'être élus, mais une fois qu'ils sont élus, ils ne retournent jamais dans la fonction publique, c'est fini. Parce que sinon, s'ils peuvent retourner dans la fonction publique, on se retrouve avec une chambre où il n'y a que des fonctionnaires, puisqu'ils ne prennent pas de risque à être élus. Donc dans toutes les grandes démocraties, les fonctionnaires sont inéligibles. Donc c'est quelque chose qu'on devrait mettre au référendum, mais avant que cette classe qui garde tous les pouvoirs nous l'autorise, vous pouvez toujours vous brosser, essayer de lancer un mouvement en faveur du référendum, et tout le monde vous envoie, on vous explique que c'est pas possible, enfin ça marche très bien en Suisse, ça marche très bien dans un tas de pays. Donc le vrai problème, c'est que on n'est plus vraiment dans un État, dans une démocratie, puisque tous les moyens d'opinion, tous les moyens d'action nous ont été enlevés. Vous allez sur Radio Interminable, là, ben vous trouvez, vous avez le discours officiel, et puis, et alors on nous montre des trucs, regardez, c'est la faute des immigrés, ou c'est la faute de le truc que les femmes se mettent sur la tête, ou j'en sais rien. C'est pour nous, c'est le coup de bonto, c'est pour nous empêcher de réfléchir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour nous empêcher de parler. Les gens s'agacent tellement sur ces histoires de voile ou n'importe quoi, que du coup, on parle pas des choses sérieuses. Mais j'aimerais bien que les Français se mettent, qu'il y ait un parti qui se mette à poser les vraies questions, quoi. Comment rendre sa souveraineté à ce pays ? Et aujourd'hui, il n'y en a pas, même pas Reconquête. Bon, il y a Marine Le Pen, le RN, mais Reconquête. Bon, il y a. Mais non, mais ils ont. Ils sont... Eux, ils ne parlent grâce à vos yeux. Ben non, parce qu'ils sont monomaniaques, quoi. Je veux dire, ils parlent que d'un sujet. Ouais. Si vous voulez, moi. Ouais. Ils parlent que d'un sujet, ils ne parlent pas du sujet essentiel qui est, par exemple, la reconquête des souverainetés. Comment vous voulez gouverner ce pays si vous n'avez pas de souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire, souveraineté des frontières ? Ils parlent de l'immigration. Bon, c'est bien intéressant l'immigration, mais ce n'est pas le début et la fin de tous les problèmes. Quoi. Et puis moi, vous savez, j'ai une émission, comme vous l'avez dit gentiment, où je parle aux gens. Il y a 267 000 abonnés. Je suis arrêté tous les jours dans la rue par des gens qui me disent merci beaucoup et qui veulent me poser des questions. Deux fois sur trois, c'est des gens issus de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, je suis persuadé, des gens d'immigration, qui n'ont qu'une idée, c'est de devenir des bons Français. Et il y a un tiers qui doivent être des sales cons, et on ne parle qu'aux sales cons, et on ne s'intéresse pas aux deux tiers qui voudraient s'intégrer gentiment. Donc on a quand même, dans ce pays, quelque chose qui ne va pas. On s'intéresse aux gars qui font des émeutes, et on ne s'intéresse pas aux gars qui a fait des études et qui veut devenir vétérinaire, ou j'en sais rien. Donc il y a une espèce de renversement des valeurs. Si vous vous tenez comme un cochon, on s'occupe de vous. Si vous êtes bien, à ce moment-là, vous avez le droit de disparaître. Mais c'est une histoire de fou, quand même. Ben, c'est une histoire de fou, et c'est pour ça qu'on vous a invité, Charles Gave. Merci, on arrive à la fin de l'entretien. En tout cas, je vous donne une bonne nouvelle. 87% des gens qui ont voté tout à l'heure, des spectateurs, vous mettent à la tête de Bercy, cher Charles. Voilà. Eh ben, je démissionne. Voilà, mais vous, alors, voilà, Charles Gave démissionne, vous l'avez mis à la tête de Bercy, il va démissionner. Parce que pour être à la tête de Bercy, il faudrait avoir des pouvoirs qui m'ont été enlevés par toutes les décisions qu'ils ont prises depuis 50 ans. Donc, avant de me mettre à Bercy, il faut retrouver les souverainetés, vous voyez, c'est ça la chose importante. On l'a bien compris, et merci beaucoup, Charles Gave, d'être venu passer par nos studios ce matin, ce très très long entretien. Je rappelle, vous êtes fondateur de l'Institut des Libertés et économiste. Vous publiez pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, notamment l'Institut des Libertés avec Emmanuel Gave, votre fille. Vidéo très intéressante et très suivie. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite une excellente journée. Encore un bon anniversaire, cher Charles. Merci beaucoup. De la part à toute la matinale de Tocsin. Nous, on arrive à la fin de l'émission, chers amis. Alors, vous nous retrouverez, bien entendu, c'est lundi, Clémence Oudiakova, 8h-10h, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et moi, bien sûr, je reviens vendredi matin de 8h à 10h sur bien entendu, Tocsin Média. N'hésitez pas à nous soutenir véritablement. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, faites-nous un don, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous, on vous souhaite un excellent week-end, bien entendu. Et dès lundi matin, vous le savez, on est à 8h, on est sur YouTube et on est sera là sur Tocsin Média et le retour de l'inimitable incontournable Clémence Oudiakova. Allez, bonne journée à vous. Salut.